marche pas. Il n'y a pas de live, non? Regardez. Je sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. J'arrive pas à voir le live. Voilà. Non, quand c'est mauvais, le live est là. J'attends de voir si ça marche. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. On va voir. Il y a quelqu'un ou pas? Moi j'en profite pour faire de la pub pour le bouquin de Steve, le Krav Maga féminin. Vous avez aussi les portes du Krav Maga de Jérôme à acheter pendant ce confinement. Alors, ça marche ou ça marche pas? Eh ouais, ça c'est l'Espagne. J'ai un vieux Nokia bien pourri. On n'est pas, c'est pas la fédération luxembourgeoise ici. Donc, on va voir. Ouais, là, ça y est, je m'entends. En retard. Ok, il y a du monde. Coucou tout le monde. Ah, il y a un bon retard quand même. Salut tout le monde. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. On m'a dit qu'il y avait 2000 personnes, donc. J'ai la télé ici pour pouvoir vous voir. Hein. Je vous explique, j'ai pas de problème visuel. Non, Billet. Ah, ça descend les commentaires ou pas? Oui, mais ça l'aime. Ok. On va voir ça. Encore 2 petites minutes. En tout cas, il m'avait embrouillé, Gilles. Il m'avait dit qu'il y avait Julia Chanel qui venait. Et c'est pour ça que je suis là. Et en finale, non. Donc, bah ça va, il manque plus que 900 personnes et on est complet. Donc, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici avec vous. D'accord? Donc, j'attends encore un peu. Alors, on va laisser 2-3 petites minutes. Alors, je vais voir qui est-ce qui est connecté. Salut tout le monde. Salut les Français et les Espagnols. Je vois aussi des Belges, des Suisses. Bon. Alors, je vous dis tout de suite, hein, si vous attendez Gilles, c'est loupé. Hein. Gilles, c'est l'expert en live. Je l'ai connu sur un marché, il vendait, tu sais, les couteaux Ginsu 2000. Après, bon, depuis 2000, il a la retraite, mais c'était le plus grand vendeur de l'entreprise. Alors, ça défile ou pas? Le problème, c'est que j'ai un petit problème avec les commentaires qui ne défilent pas vers le bas. Non, pas los comentarios. Non, pero si haces esto, yo no veo lo que tengo que decir. J'espère que tout le monde parle espagnol, parce que le cours, il va être en espagnol aujourd'hui. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est le premier live que je fais, j'en avais déjà fait un, mais c'était sur un site pour adultes. Et voilà, moi c'est particulier. Donc si je peux pas répondre à tous vos commentaires, je le ferai un peu plus tard, d'accord? Parce que je suis pas super encore à l'aise avec ça. Est-ce qu'au niveau du son et de l'image ça va? Oui ou non? Moi je me vois un peu rouge à la télé. Allez, encore 2 minutes et on commence.
On attend les retardataires. Pour la vidéo, hein. Comme je sais que la dernière fois avec Gilles, vous aviez des soucis, je vous ai préparé pour pouvoir faire des réglages, d'accord, sur vos vidéos, avec mon visage. Donc, il faudrait que ça ressemble à ça, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, d'accord. Si ça ressemble à ça, ce que vous voyez, c'est que le réglage est bon, d'accord. Donc, je reste 2 minutes à côté. Attendez, je vais prendre le même regard. D'accord, réglez bien. Une fois que vous êtes dans le bon, on pourra commencer, sinon ça va être la galère. Hola Gonzalo. C'est bon, je vois qu'il y a des gens qui ont fait les réglages. Salut Patrick. Voilà Diego. Allez, plus que la dernière minute et on commence. Allez, allez. Je sais pas si l'image est bloquée. Non. Oui. Barra pour le film. Pas de problème, hein. Pour ceux qui veulent le voir en replay, j'essaierai de l'enregistrer pour pouvoir le mettre, d'accord? C'est comme les gratins, c'est meilleur le jour suivant si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, je n'y répondrai pas, d'accord? Ce sera Gilles qui le fera, donc pas de problème, hein. Posez toutes les questions que vous voulez, Gilles se fera un plaisir de pouvoir vous répondre demain pendant son cours. Donc j'en profite pour rappeler la cagnotte Litchi de l'action de Gilles, d'accord, qui sont déjà à 3000 et quelques euros, j'ai vu ça. Donc, c'est juste un petit geste. Je dis tout le temps, on est 20 000 personnes à la FEKM. Si tout le monde donnerait 1 euro, ben, on pourrait aider pas mal de monde. Donc, faites ce petit geste pour Gilles. Il prend beaucoup de temps pour vous de manière totalement gratuite. C'est vraiment un mec en or de faire ça et de m'avoir invité ce soir. Donc sympa de voir qu'il y a des gens, c'est leur premier cours en live, parce que c'est mon premier cours en live à moi aussi. Donc voilà. Bon, bah, je vais en profiter rapidement pendant que les derniers se connectent. Salut les Suisses, pour vous dire quelque chose, d'accord? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier tous les profs de Krav Maga, d'accord? Et surtout ceux de la FEKM pour continuer de faire vivre notre magnifique discipline au travers de cours en live ou de cours en privé ou d'envoi de groupes WhatsApp ou n'importe quoi, d'accord? C'est vraiment important de continuer de faire vivre ça. Donc un grand, grand, grand merci à vous tous de continuer à faire connaître notre cause, d'accord? Salut tout le monde! Salut José! Donc j'en profite aussi pour remercier tout le monde, ça veut dire, on l'a déjà dit, on le répète encore une fois, mais tous les ambulanciers, tout le personnel médical, force de l'ordre, pompe funéraire, etc., etc., pour continuer de nous permettre de vivre dignement dans ce qui nous reste de temps, d'accord? Ici en Espagne, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que chez vous, mais bon, on espère sortir rapidement de cette mauvaise passe. Donc on va voir. Salut Amine. Donc j'aimerais juste passer un petit message vraiment spécial à mes partenaires, d'accord? Comme Paolo, Giacomo, d'une parce qu'ils vivent de ça, deux parce que nous, avec le système de paiement au mois dans les pays latins et d'autres pays en Europe, hein, c'est vrai que c'est très compliqué puisqu'on n'a plus aucun revenu, donc on ne sait pas comment on va pouvoir tenir sur du long terme. Donc vraiment mon appui à tous ces profs de la FEKM qui vivent de Krav et qui malheureusement n'ont plus aucun revenu qui va rentrer pendant les prochains mois. Nous c'est prévu jusqu'à normalement décembre,
Donc ça va être très compliqué de pouvoir continuer notre projet sur le Krav, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ok, salut les Espagnols qui sont là. Désolé aujourd'hui, ça va être compliqué pour vous en français. J'espère que vous avez bien étudié. Ok, alors juste avant de commencer, vous ne prenez pas la tête, il vous l'a déjà dit hier, Gilles, sur tous les trucs de oui, mais moi j'ai pas vu ça comme ça, mais moi mon prof il fait pas ça comme ça, etc. etc. Vous ne prenez pas la tête, on est là pour passer du bon temps, pour transpirer un peu. Si vous apprenez des trucs nouveaux, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, vous avez vos profs qui sont très compétents dans vos cours pour pouvoir vous corriger. Entre ce que je dis, ce que je fais, ce que vous voyez, ce que vous croyez que vous avez vu et ce que vous allez faire, il y a un monde. Donc, prenez-vous pas la tête, pratiquez. Si vous avez des questions, je vous les dis, vous répondez. Et ensuite, ce sera Gilles qui vous répondra. D'accord? Donc, on est prêt. Je vais régler ça pour pouvoir voir le cours. Moi, je suis un peu cassé, hein, je vous le dis tout de suite. Hier, j'ai fait un peu de cardio un peu intense. Donc, il n'y a personne à impressionner. J'espère que tout le monde est habillé chez soi. Donc, faites ça tranquillement. Ne vous blessez surtout pas. On n'est pas là pour engorger encore plus les hôpitaux. Donc, on va y aller tranquille. D'accord? Quand ce sera un peu plus intense, vous inquiétez pas que je vous crierai dessus. Ok? Ok. Allez, on commence dans 2 secondes. Allez, on est prêt? Allez. Allez, faites une ligne avec moi. Une ligne d'une personne, c'est sympa. Allez, tout doucement ici, tête de côté à côté. Allez, en bas. Moi, je suis cassé de partout, donc j'ai oublié de faire un peu d'articulaire au départ. Allez, cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Allez, épaule d'avant en arrière. Salut Cédric. Allez, vers l'arrière. Allez, deux bras vers l'avant doucement. J'essaie de maintenir le corps ferme. Allez, vers l'arrière. On respire bien. Allez, un bras en avant, un bras en arrière. Allez, autre bras vers l'avant. Allez, vers l'arrière. Allez, qui? Coup de collet. Allez, je change la position des mains, petit doigt vers l'extérieur. Dos, pouce, bien fermé, et je respire toujours. Allez, ici, bras le plus tendu possible, faites-moi pas genre pharaon, ici, pom pom, allez, je fais des rotations entières, l'épaule doit passer devant. Ici, regardez bien, mouvement court, je viens joindre mes épaules vers l'avant et je joins mes omoplates vers l'arrière. Mouvement très court avec les bras, ce n'est pas une ouverture ici, d'accord? Allez, on prend l'air, on pousse. Ok, ici, bras tendus, je m'auto-grandis le maximum vers le plafond. J'expire, je me laisse tomber, regardez bien mes hanches, je pars pas sur le côté, allez. Allez, autre côté. J'espère que vous entraînez chez vous, hein. Vous n'êtes pas en train de me faire arriver l'enculade d'ici à rester à bouffer pendant que je suis en train de transpirer. Ok, ici, d'accord? On va travailler rotation des hanches léger.
Allez, dans l'autre sens. Allez, rotation, je tombe bien sur mon pied opposé. Je vais d'abord en ligne droite, ici, parallèle au sol. Je vais loin, ici, avec le regard, loin, avec la main, d'accord? Le regard suit toujours le mouvement des bras, c'est comme sur les projections. Ok, on va faire la même chose ici. Imaginez que je suis en train de prendre un ballon, je jette en diagonale, j'expire. Et je vais loin avec le regard. Ok, ici, tout léger, on va commencer à tourner la jambe vers l'extérieur. Allez, intérieur. Bon, j'espère que vous et vos proches allez bien. Vous n'avez pas eu de soucis à cause de satané virus. Salut Mickaël. Salut Stéphane. Ici, vers l'intérieur. Allez, genoux, en rotation. Je suis désolé, je ne vous ai pas mis de musique, c'était la galère. J'ai déjà galéré à brancher mon Nokia des années 20. Allez, jambes écartées, rotation légère. Allez, fermeture. Allez, ici, jambes tendues, en équilibre. Allez, je balance. D'avant en arrière, je ne monte pas trop, hein, c'est juste pour étirer un peu. Allez, haute jambe, jambe tendue. D'accord, si je ne peux pas lever très haut, jambe tendue jusqu'ici, c'est largement suffisant. Allez. Sur l'extérieur. Allez, l'autre côté. Allez, ici, regardez bien. Je descends le dos droit, les jambes le plus droites possible, jusqu'où j'arrive, d'accord? Donc ici, je descends le dos droit, je regarde devant et je respire profondément. J'essaie de bien étirer toute la chaîne arrière. Allez, menton collé à la poitrine. Je laisse tomber le bloc entier. Sans forcer. Regardez bien ici. Allez, je marche. Je pose. Je regarde le plafond. Allez, je reviens derrière, jambes totalement tendues. Le maximum où je peux arriver. D'accord? Et on refait ça. Ouverture des épaules. Allez, on regarde devant. Allez, on fait tomber le bloc entier. Genou bien droit. Allez, on marche vers l'avant. Allez, on part en arrière. Allez, le dernier. Allez, go. Salut Marc. On regarde bien devant, jambe droite. La colonne droite. Allez, on tombe devant. Allez, on marche. Allez, on revient en arrière. Ok, acquis. Talon planté au sol. Dos droit. Je viens de descendre avec la main posée. Et je reviens. J'expire quand je descends. Et je reviens. Allez. Et moi qui me foutais la gueule de... C'est comment déjà? Damina et je sais plus qui là, en aérobic, qui faisait leur poids comme ça. Qui aurait dit? J'allais faire pareil plus tard. Allez, pareil de l'autre côté. Hola, buenas, Christian et Alex. Ok, ici, je viens tirer haut et fort de mon talon. Je pousse doucement sans faire de bruit, rotation du côté de la jambe qui est levée. J'expire, je reviens. Allez.
N'oubliez pas, hein, si jamais il y en a certains qui veulent aller dans le live de Yann pour leur dire aux gens qui suivent son live de venir ici parce que c'est ici que ça se passe, dépêchez-vous, essayez de les sauver de Yann, ok? C'est une blague, hein, on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de faire de blague ni insulter notre prof. Donc on va essayer, je vais essayer de limiter les dégâts, ok? Ici, allez, dans le plafond, je souffle, rétroversion des épaules vers l'arrière. Allez, et j'essaie de bouger chaque vertèbre et je reviens. J'inspire. Allez, on a bientôt fini. Deux mains au sol, le pied à côté, en fonction du niveau de chacun. Le genou arrière peut être posé au sol ou la jambe étirée, d'accord? Donc ici, je tiens ma jambe et regardez bien, avec la main qui est au centre, je vais venir descendre mon coude au sol, au maximum que je peux, hein, le coude au sol sans tourner mon pied sur l'extérieur ici, d'accord? Donc regardez bien de face, je suis là, je descends mon coude au sol, rotation entière, j'expire, je redescends, allez go! Allez, pareil de l'autre côté. Interlien, Gilles. Tu plaisantes? Allez. Doigts croisés, pieds joints, la danseuse. Allez, je m'étire. Salut Eric. Ok. J'arrive deux petites secondes. Tiens. Je vais ouvrir la fenêtre parce que je suis en train de mourir de chaud. Il fait lourd là, il pleuvait. Et je suis en train de m'asphyxier à la maison. Donc si jamais je tombe, c'est pas une connerie, hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Allez, on va commencer à activer un peu plus. Allez, polichinelle ici, jumping jacks. Dice Gilles que te desnudes. J'ai pas envie de froisser des élèves, Gilles, si je me mets tout nu. En plus, la bande passante de Facebook, je sais pas si elle tient dans le coup. Allez, normal. Allez, on revient ici. Allez, on croise une fois devant, une fois derrière. Allez, regardez bien ici. Les bras vont sur les côtés, les jambes vont devant. Allez, bras devant, jambes devant. Allez, maintenant, bras devant, jambes sur les côtés. Allez, la même chose, on croise, une fois devant, une fois derrière. Un bras, puis l'autre. Si je peux pas, je le fais normal ici, d'accord? Si je peux, je croise. Allez, normal. Regardez bien ici. Un bras devant, un bras sur le côté ici, à 90 degrés, ok? Allez, on fait ça. Trois petites secondes ensemble. Maintenant, la même chose, on ouvre en fermant les jambes. C'est vraiment un exercice particulier de faire le live. Je respecte encore plus Gilles que ce que je le respectais. Parce que d'être comme un teubé comme ça face à la caméra sans avoir de retour, c'est quelque chose de particulier. Mais la même chose, on croise en jambes. Allez. Allez, normal. Relâche. Allez, ceinture. Salut Véronique. Salut Dominique. Je ne ferai pas la mauvaise ligne qui va avec vous. Allez, on monte un peu.
vois pas le nombre de gens, Gilles. J'ai l'écran coupé par la télé. Et je vois juste un tiers de mon corps. Le beau tiers, le tiers magnifique. Allez, normal. Allez, on saute sur un pied. On tourne. Allez, autre sens. Le talon touche pas le sol, hein. Allez, on revient. Allez, l'autre pied, on tourne. Allez, l'autre sens. Talon touche pas le sol. Allez, normal. On relâche un peu les jambes. Ok, on relâche un peu. Si vous voulez boire, buvez. Je suis très, très, très mauvais exemple sur ça. Je bois pratiquement jamais. Je donne des cours. 5 heures pendant l'après-midi ou 6 heures. Et je bois un verre d'eau. Donc, je sais que c'est très mal. Je vous laisse 2 petites secondes. Pour moi, et on recommence. J'espère que quelqu'un allait chercher, aller sauver les élèves qui sont sur le groupe de Yann et tous les autres groupes d'ailleurs. Hein. Le seul groupe qui compte, c'est celui-ci aujourd'hui. Hein. Le reste, on va peut-être même d'ailleurs les expulser de la FEKM. Ce que m'a dit, regardez si vous ne me croyez pas, j'ai un invité surprise pour vous. Alors, je sais pas si on va me voir. Alors, attendez, je vais l'appeler. Bonjour à tous les affiliés de la FEKM. Le groupe sur lequel il faut être aujourd'hui, c'est celui-ci. Car vous avez la chance d'avoir Alexandre Orozco. Magnifique, le merveilleux. Donc, profitez-en, d'accord. Et on se voit dans 2 petites secondes pour le Shadow. Hein, vous avez, on a des invités spéciales. C'est pas les lives de Gilles, ça. Donc, on est bon? Allez, regardez bien, on va commencer un petit exercice que je fais énormément faire en cours. On va se mettre en position de garde au niveau des jambes, d'accord? Talon arrière, décollé du sol légèrement, d'accord? Mettez-vous pas sur un talon aiguille, on est là. Et je vais venir travailler ma rotation ici, d'accord? Ce que je veux voir, c'est bonne rotation. Mes deux épaules alignées, j'exagère le mouvement, d'accord? Il faut se rappeler qu'après, en situation de stress au niveau sportif, d'accord? Pour des sportifs d'un niveau moyen ou bas, c'est 70 à 80% de déchets, d'accord? Au niveau technique. Dans la rue, je n'ose même pas imaginer. Donc, en exagérant le mouvement, bah, si on reste avec 20% du mouvement, ça peut être suffisant, d'accord? Donc, on va exagérer ici, sur mes rotations. Vous voyez, mon menton est de face, le front vers l'avant, on ne met pas ici, on ne boxe pas, genre Harvard 1850. Je suis là, boum, et là je viens tourner. Ça c'est pour la rotation du tronc et des hanches. Pour le travail du poids de corps, je viens pivoter ma jambe droite, mon poids de corps sur la jambe gauche. Je viens pivoter ma jambe gauche, mon poids de corps sur la jambe droite. Il faut se rappeler qu'ici, on a un triangle. On a au sol ce qui s'appelle un polygone de sustentation qui passe là, d'accord? C'est un cercle ici autour de mes jambes. Et j'ai ma ligne de gravité, d'accord? Pas mon centre de gravité. Ce qu'il faudrait essayer, c'est d'avoir ma ligne de gravité au centre de ce triangle pour ne pas provoquer déséquilibre. C'est pour ça que ma tête ne devrait pas passer la pointe de mon pied, sinon je commence à perdre ici l'équilibre, d'accord? Donc, c'est vraiment 1 sur le point, 2, je suis là, et boum, et je viens venir travailler, d'accord? On va le faire tous ensemble, vous mettez face à moi, on s'en fout des mains en garde, hein, comme si vous voulez les mettre derrière. Allez, on commence à mon compte, 3, 2, 1, allez, 1, 2, 3. Bien en équilibre. Ok, regardez bien maintenant. Au niveau des pieds. Les pieds, ce que j'appelle l'écrase cigarette, d'accord? Si j'écrase ici et j'écrase, vous voyez que mes pieds commencent à s'écarter. Donc ça s'écarte sur la longueur, mais aussi sur la largeur, d'accord? Donc pour éviter ça, je vais exagérer, mais regardez bien. Je ne sais pas si vous entendez le son. En tout cas, mon voisin, il est en train d'entendre. Je vais vraiment planter ici mon pied. Donc c'est bam, 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 bam. Je vais éviter parce qu'il y a un bébé en bas. Donc ici, on pivote. Deux yeux, deux faces. Rotation du tronc, d'accord? Et si je peux pour les avancer en même temps, tension au niveau des abdos, de tout le corps ici, boum, pour frapper, d'accord? Allez, rotation, allez, on n'arrête pas, un peu plus vite. Regardez bien de face, profitez d'avoir quelque chose de si beau. Demain c'est Gilles. Ok, on tourne, d'accord? Cet exercice-là, je vous conseille de le faire. Moi j'explique ça, c'est comme un... Les machines, Black & Decker et tous ces trucs là. Le typique truc qu'on a envie d'acheter à Leroy Merlin, mais on ne sait pas pourquoi on va s'en servir. Donc, on a l'appareil, d'accord, c'est le bloc. Et ensuite, il n'y a que changer bah, la tête, d'accord, pour visser, pour poncer.
Donc ici, une fois que ça, je sais bien le faire, je suis bien en appui, je suis bien fermé ici au niveau des génitales, je le dis tout le temps, on n'est pas là, ça va rentrer, c'est vraiment là. D'accord? Mais vous voyez que mon appui, c'est pas ici. Donc, quand je suis bien stable, je peux envoyer des bons coups de poing, que ce soit circulaire, que ce soit mes coudes, ou que ce soit même avec la tête. Donc, une fois que ça c'est bon, on a 80% du boulot qui est bien assimilé. Et ensuite, c'est voilà, penser à la bonne alignation l'alignement pardon, du poing, bien fermé, bien positionné ces segments. Ce qui vous répète Gilles depuis 21 ou 22 cours. Ok? Donc, maintenant on va faire un petit jeu. Vous allez rester ici en position naturelle face à moi et je vais vous indiquer les directions. D'accord? C'est tout bête. Si je fais ça, vous allez frapper sur le côté. On va commencer avec les jambes. D'accord? Donc, si je fais ça, dans votre direction, vous allez frapper vers l'arrière. C'est comme si vous étiez en voiture et je vous fais comme ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire de marche avant, j'espère. Donc, vous allez vers l'arrière. Si je fais ça, vous menez vers moi. D'accord? C'est facile. Côté, côté, vers l'arrière, vers l'avant. Ok? Donc, d'ici, si j'ai fait ça, je peux venir frapper en coup de pied latéral. Si je ne peux pas, je viens frapper en ligne basse ou coup de pied direct. D'accord? De l'autre côté, la même chose. Si c'est de face, ce que vous voulez, coup de pied direct, coup de pied circulaire, bien sûr, pas de coup de pied latéral. Et si c'est vers l'arrière, vous pouvez donner coup de pied direct arrière, coup de pied percute pour ceux qui l'avaient dans votre programme, ou coup de pied latéral arrière. Ok? Dites-moi si ça va au niveau du cours, hein, parce que je vois plus les commentaires et je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Donc je vais laisser 2 petites secondes, comme je vous vois en décalé avec, je dirais pas de minutes, mais il y a bien 40 secondes de décalage. Gilles, c'est combien le record? Il y a Mathieu qui demande. Ok, allez, on va commencer. Position naturelle, d'accord? Donc je frappe, je reviens et je me relaxe. On est prêt? Allez. Vers l'arrière, attention au meuble. Hein. Vers l'avant. Côté. J'ai toujours rêvé d'être hôtesse de l'air. Ici, si vous voulez, je fais comme ça. Là. Là. Allez, un peu plus rapide. Essayez de changer le type de frappe et essayez de changer la jambe. D'accord? De ne pas toujours frapper avec votre jambe forte. Hein. Quand c'est vers l'avant et vers l'arrière, bien sûr. Ah, je ne veux voir personne faire ça, d'accord? On se rappelle, en crâne, on essaie d'avoir le chemin le plus direct. Dans ce cas-là, on a le poids qui est bien réparti sur les deux jambes, il n'y a pas de problème à faire ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le plus logique, d'accord? Le plus direct, ce serait de frapper avec la jambe du même côté, ok? Quand on va chercher quelque chose sur une table, on ne fait pas ça, ok? Ou ça, on vient directement le prendre, d'accord? Le cerveau, il est fait pour faire des trucs simples, pas pour se compliquer la vie. Donc, évitez de le faire et on repart à pleine intensité. Allez, go! Et on revient en position naturelle, les mains montent au moment du coup de pied, d'accord? La jambe part, boum, les mains montent. Je regarde des commentaires en même temps. Vers moi. Attention, hein, je suis en train de vous voir. Hein. Si vous êtes en train d'écrire que c'est bien, vous n'êtes pas en train de le faire. Hein. Ça ne marche pas, ça. Et 2 petites secondes de plus. Ok, regardez bien là-dedans. On va faire la même chose, mais on va frapper avec des segments à mi-distance. D'accord? Mi-distance, c'est quoi? C'est les bras. Ok? Donc d'ici, si c'est sur le côté, je peux envoyer, boum, ma gauche ou un coup de marteau par exemple. Ok? Rien de coude. Marteau, coup de paume, ce que vous voulez sur le côté. La même chose de l'autre côté, je peux venir, boum, frapper ma droite, frapper ma droite. Frapper en marteau, frapper en coup de paume à n'importe quelle hauteur. Ok? Quand c'est vers l'arrière, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, c'est paume ou marteau. Donc d'ici, je peux venir frapper en coup, boum, de marteau, d'un côté comme de l'autre. Si c'est de face, c'est freestyle. Ce que vous voulez, d'accord? Comme si vous voulez me faire, je ne sais pas, un double coup du cobra, d'accord? Donc d'ici, je peux venir frapper en direct. En crochet, on va éviter quand même, parce que je veux du mi-distance. Ici, en swing. Quand je peux percut un peu plus ouvert, etc., etc. Ok? Donc, la frappe que vous voulez, avec les bras maintenant. Ok? Allez, c'est parti! Bon dia a todos mis amigos portugués. Ceux qui viennent d'arriver maintenant, ils doivent quand même bien halluciner de se demander qu'est-ce que je suis en train de foutre. Donc frappez dans la direction que j'indique,
Avec le bras. Plus rapide, restez pas une heure à enchaîner, il n'y a pas d'enchaînement pour l'instant. Je frappe, je reviens. Alors, on travaille le temps de réaction, pas tout le temps avec des tops comme en cours, parce que c'est très rare que dans la rue, on a toujours le mec qui vient, top, je te frappe. D'accord? Mais il faut aussi travailler sur du visuel. D'accord? Donc essayez de voir la signal visuelle. Plutôt vous voyez mon mouvement du coude de mon épaule si je charge, bon, vous devez frapper. Vous attendez pas que ma frappe arrive ici pour la lancer. C'est comme dans la rue. Il fait ça, bon, on doit déclencher l'impact. Allez, bon. Je vais devoir prendre une formation live avec Gilles. Je suis vraiment pas à l'aise, hein, je vous le dis tout de suite. Ok, maintenant on va faire la même chose, dernière partie, à courte distance. Donc là, ça va être tête et coude, d'accord? Donc si c'est de face, ici je peux rentrer sur un coup de coude, d'accord? Boum, sur un coup de tête, boum, je rentre ma tête ici. Sur le côté, coude, si vous faites le coude opposé, il n'y a pas de problème, coude en remontant, boum, la tête en frappant. Si c'est sur le côté, c'est la même chose. Si c'est derrière, boum, coup de coude, coup de tête, pardon, arrière, vous vous rappelez que ce n'est pas chargé, c'est comme si on tirait des cheveux. Boum, ici pour me retourner face à l'agresseur ou bien sûr n'importe quel des coups de coude que vous connaissez. Ok? Donc on va frapper ça. C'est parti, à courte distance cette fois. Ça c'est vers l'arrière, vous vous rappelez? Vers l'avant. Un peu plus vite. Ok, parfait. Maintenant, on va travailler la même chose, mais on va faire les trois distances. D'accord? Donc, si j'indique, par exemple, vers moi, c'est-à-dire vers l'avant, vous allez faire ça. 1, 2, 3. D'accord? Je vais venir travailler ma fluidité, d'accord? Ce qui s'appelle le reset. Attends, deux petites secondes, ça s'est éteint au niveau de la télé. Donc, je ne vois plus. Je ne vous vois plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, de toute façon, vu ce que je devrais voir normalement. Donc, d'ici, si je mets côté, je mets pied, point. Et coude, par exemple, je peux frapper tout du même côté, hein. Je peux venir ici, ici, et venir frapper là, il n'y a aucun problème au niveau de la frappe. Ce que je veux, c'est que vous réduisiez la distance et vous travaillez votre fluidité. Le reset en hébreu, d'accord, c'est vraiment la fin d'un mouvement, c'est le début d'un autre. Donc avant que mon pied tombe au sol, c'est pas je tombe et je frappe, et je commence à lancer l'action ici, boum, suivante, d'accord. Sur les coups courts, je ne l'ai pas dit, il y avait aussi les crochets, ok. Si c'est de face, je peux venir 1, 2, 3, venir frapper. N'importe quel type de frappe. Et vers l'arrière, il va falloir se retourner avec le premier coup. Donc, si j'ai envoyé mon coup de pied, je viens me retourner et je viens frapper dans la même direction. On est OK? Je vous laisse un peu plus de temps, le temps de revenir. Trois frappes, je réduis la distance. On est OK? Allez. Allez, go! C'est parti. 1, 2, 3, je reviens. Allez, ça c'était vers l'arrière. Allez, vers moi. Essayez de changer, de ne pas toujours commencer avec le bras fort ou la jambe forte. Allez, bon. Jambes, bras. Dites-moi si vous me suivez. Allez, vers l'avant. Vers l'arrière. Voilà, José. Notre ami mexicain. Salut Sarah, on a des Mexicains, on a des Canadiens, on a l'Amérique du Nord représentée et on a Gonzalo, on a les trois pays d'Amérique du Nord. Là. On est bien. Allez, pam pam pam, vite, pam pam pam, vite, pam pam pam, vite. Ok, respirez deux petites secondes pour voir et on fait un petit jeu tous ensemble. Je vais deux petites secondes, en même temps je regarde ce que vous m'avez dit. Salut Rémi. Allez, alors on fait un petit jeu de temps de réaction, d'accord? Regardez bien, alors là on va devoir bien se coordonner. Quand je vais dire top, vous allez sauter sur place, ici, d'accord? Comme si vous sautiez par-dessus un sac de sport, d'accord? À peu près à la hauteur. Et quand vous êtes en plein vol, je vais indiquer une direction. Donc, imaginez que j'ai fait ça, et on va partir sur le côté, d'accord? Dès qu'on rebondit au sol, j'ai vu la direction. Viens bien planter mes appuis et je pars sur le côté. On est d'accord?
Donc, pour calculer le temps, ça va être quelques petites secondes. Je vais vous mettre une musique pour vous motiver, ok? Allez, 3, 2, 1, je mets la musique et c'est parti. Ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a un son dedans? Attendez, un petit problème de son. J'arrive. Désolé, on a un petit problème de son. Oh. Ah, si ça marche, j'insiste sur la musique. Je la remets en cours de temps en temps. On va voir le haut-parleur. Heureusement que j'ai pas mis plus de musique, sinon on aurait été dans la merde. Ah, attendez, je reviens deux petites secondes. Bah, problème de son, impossible à régler. Ah, si rien à dire, mais on n'est pas bien au point. Avec los comentarios porque no veo nada. Ouais, on dirait Gilles et ses problèmes de réglage. Mais moi, j'en ai un peu plus que lui. Non, la musique, c'est pas ça. T'inquiète pas. On va tester deux petites secondes en attendant, d'accord? Pendant que c'est en train de se mettre en place. Donc ici, quand je dis top, saut, j'indique une direction, je pars sur le côté rapidement. On est prêt? Allez, on commence à sauter un peu. Allez, top! Allez, on saute, on tombe. Allez, top! Allez, on saute bien. Top! Je pars. Top! Je pars. Top! Je pars. Top! Attention! Là, je ne sais pas si vous me voyez. Là, ok. On est prêt? Top! On part rapidement sur un côté. Top! On part sur le côté. Top! Top! Un peu plus rapide. On revient rapidement sur place, d'accord? Quand je saute, je pars, boum, je pars et je reviens et je suis à l'attente. On est prêt? Top! Top! Ok, on va travailler le shadow, d'accord? Je vous remets le visage de Richard après. On va travailler le shadow. Alors le shadow, j'ai vu qu'avec Gilles, vous en avez fait un paquet. C'est l'une des choses qu'on peut le mieux travailler tout seul à la maison. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça, mais il faut essayer de le faire à peine, d'accord? Pour que ce soit un peu plus sympa. Donc je vous propose un shadow guidé. Donc il en existe un bon paquet. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est quand même un peu plus simple, d'accord?
Donc, tout le monde va bien là? Ok. D'accord, ici. Donc, on se rappelle, sur le shadow, vous allez faire deux petites secondes de shadow libre, et ensuite, on va commencer à le guider. Le shadow, je rappelle, c'est un travail de visualisation. Il faut que ce soit logique, mon enchaînement. C'est-à-dire, si je mets un coup de pied ici, un coup de tête, c'est quand même bizarre que le mec qui a pris son coup de pied à longue distance ramasse un coup de tête ensuite à courte distance, d'accord? Si je frappe, je sais pas, là au parti, je vais pas lui mettre une gauche ici, d'accord? Si elle tombe vraiment à ras du sol, mais j'essaie vraiment d'avoir une logique au niveau de mes frappes, ok? Ensuite, on va respecter quelques règles. Règle numéro 1, je suis toujours en mouvement, d'accord? Toujours, je bouge toujours. Mais, comme toutes les règles, il y a des exceptions, et on va en avoir deux. Si j'arrête de bouger, c'est pour faire deux choses. Ou esquiver, ou frapper. Ce qui n'enlève pas que pendant que je bouge, je peux esquiver et frapper. D'accord? Mais je ne suis pas ici en train de me déplacer et puis il m'arrête pour m'arrêter. C'est-à-dire, si je m'arrête, boum, c'est pour frapper ou pour esquiver. D'accord? Donc, ce qui importe dans le shadow au départ, c'est surtout, enfin, ce qui importe pour les débutants au départ, c'est les déplacements. Bien travailler, l'équilibre, bon déplacement, d'accord? Et bien sentir le rebond au niveau du sol. Donc, vous allez commencer à me faire le shadow libre, deux petites secondes pour échauffer le shadow. Quand je m'arrête, c'est pour faire une esquive ou pour frapper, d'accord? Sinon, je m'arrête jamais. Allez, on est parti, 20 petites secondes. Allez, go! Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, tournez en cercle. C'est comme les poissons rouges. Avec deux petites secondes de plus, j'en profite pour regarder. Allez, vraiment léger. Ok. Maintenant, vous allez me faire ce petit shadow. On va commencer à mettre une des règles, pour moi, basiques, qu'il ne faut jamais faire. C'est plus de 3 pas vers l'arrière. Ici, d'accord? Donc, je ne sais pas si je suis encore dans le champ de la caméra, mais c'est 1, 2, 3. Ça commence à sentir mauvais, d'accord? Donc, 2 pas maximum et ensuite un pas de côté. C'est ce que moi j'appelle le cavalier, le L aux échecs, d'accord? 1, 2, pas de côté. Je me déplace comme ça. Donc, ce serait mieux, bien sûr, si la personne me met la pression de venir sortir directement ici de l'angle. Mais si je n'ai pas le temps parce que j'ai pris la frappe ou je suis dans le stress, je fais 1, 2, pas de côté. Donc, vous allez faire ici, boum, votre shadow sans arrêt. Et dès que je dis top, vous me faites 1, 2, pas de côté. D'accord? Et je continue à faire mon shadow. Ou de ce côté-là, ou je pars sur le côté. D'accord? C'est vraiment un angle droit pour l'instant. Pour les plus avancés, si vous travaillez vos shuffles, vos shiftings ou vos pas circulaires, il n'y a pas de problème. Pour les débutants, on va rester sur un truc très basique. Vraiment à la Super Mario le premier. Ok? Donc, je fais mon shadow. Ici, j'entends top, 1, 2, pas de côté, et je reviens faire mon shadow. On est OK? Allez, c'est parti, 30 petites secondes. Oh, c'est parti! Allez, fais shadow. Top! Allez. Top! Allez, on part, on boxe. Deux pas, boum, je me décale, je reboxe immédiatement, d'accord? Je suis sorti de l'axe, boum, je remets la pression. Il y a mal, hein. Top! Boxe, bon, bon, bon. Top, boum, et je pars, boum, et je reviens ici, boxer. Je me déplace, top, 1, 2, boum, pas de côté, boum, je remets la pression immédiatement. Top, allez, je boxe, bam, vers l'arrière, je pars sur le côté, je reviens. Top, allez, changer de côté, une fois derrière la droite, une fois à gauche. Ok, relâchez-vous un peu, si vous voulez boire, buvez, on a deux petites secondes pour boire, et on revient sur un shadow d'une autre manière, d'accord? Elle est guidée, mais cette fois c'est moi qui vous donne au niveau des frappes. Donc, on va commencer tout simple, ça va être un bras, une jambe. Le bras, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un coup de coude, un coup de tête, ça veut dire c'est tout ce qui est dans le train supérieur, d'accord? Au-dessus de la ceinture. Et les jambes, c'est la frappe que vous voulez, ok? Donc évitez de mettre des coups de genoux sautés, tout ça. Ça va être compliqué, d'accord? Donc
Ici, quand je dis top, vous faites un bras, une jambe et je bouge. D'accord? Un bras, une jambe, c'est totalement libre. Un bras, ça peut être le bras arrière. Une jambe, ça peut être un genou, la jambe avant. D'accord? C'est libre. Prenez-vous pas la tête mnémotechnique. Vous me faites ça. Deux petites secondes. On bouge. Au top, un bras, une jambe. On est bon? Allez, c'est parti. On se déplace. Ici. Top. Et je bouge. Bon, je fais une petite esquive. Top. Et je reviens. Je me déplace. Top. Allez, je bouge. Top. J'essaie de changer. Frappe directe, frappe circulaire. Frappe de poing au corps, frappe de jambe en ligne haute. On essaie de varier un peu. Il faut sortir de sa zone de confort. Top. On travaille. Top. Top. Ok. On fait la même chose. Deux bras, une jambe. D'accord? Donc quand je dis top, un, deux, boum, je viens ici frapper. Un, deux, boum, je viens ici frapper. Un, deux, boum, je viens ici frapper. Deux bras, une jambe, libre. D'accord? Je peux faire point, coude, genou. Ok? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Allez, on bouge. On bouge, on bouge. N'oubliez pas de ventiler chez vous si c'est comme chez moi. Il n'y a plus d'air ici. Top! Allez, deux points de jambe. Allez, on rentre. Top! Allez-y, mollo, faites comme moi. Je suis déflaté. Top! Allez, allez! Top! Je vais regarder. Salut Francis! Ça va? Top! Allez, go, go! Deux points de jambe. Bam, bam! J'expose. Ce que je veux pas voir, d'accord? C'est ce que j'appelle moi la boxe de T-Rex. D'accord? La boxe de T-Rex, c'est ça. Ici. D'accord? D'ailleurs, on n'a jamais vu un T-Rex boxer. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Mais jamais. On a vu des kangourous, on a vu des trucs bizarres, mais jamais un putain de T-Rex. Donc, d'ici, je veux pas voir ça pour aller vite. D'accord? Vous avez personne impressionné, je le répète. Vous n'avez pas de compétition avec quelqu'un à la maison. Donc, d'ici, c'est vraiment 1, 2, je pompe 3. Je passe vraiment poids de corps, et je viens vraiment rentrer ici, d'accord? Allez, on est bon? Allez, top! 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 Là, je suis en train de me souvenir là, du conseil qu'il m'a donné Gilles. Il m'a dit, fais attention de pas trop sniffer, de pas trop te gratter les couilles et tout, parce que ça se voit grave. Donc, c'est vrai, hein? Ça, t'as tendance à vouloir mettre la main, mais quand même. Top, c'est bien, ça permet l'autocontrôle. Top. Ok, on finit. 3 bras, une jambe, d'accord? Pam, 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 je pompe. Et je viens ici, ramener. 1, 2, 3, boum, je viens ici, shooter, d'accord? 1, 2, 3, si je veux, même bras, pour travailler un peu le retour. Et je viens frapper, d'accord? 3 bras, libre, la jambe, libre, genou, circulaire, direct. Moi, je ne donne pas trop de direct parce que j'ai pas beaucoup de place, d'accord? Allez, on est prêt? Allez, go! C'est parti! On se déplace, esquive, je fais mes petites parades. Allez, top! C'est parti! 1, 2, 3, bam! Je viens shooter en jambe. Top! Salut tous les poteaux! Top! Allez, top! Je bouge, je bouge. Top. Top. C'est pas que nous allons nous mettre ça, les gym. Top. Voilà Victor. Top. Ok. On a bientôt fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je vous conseille de le faire comme shadow. Si j'ai du mal à faire les shadows, ça fait un peu comme ce qu'on dit, manger un éléphant. Si on dit de manger un éléphant, ben ça fait beaucoup. Mais si on coupe un petit morceau par petit morceau, ça passe un peu mieux. Désolé pour mes amis vegan. Donc, l'idée, c'est quoi maintenant? C'est que je vais faire un bras et une jambe. Au top suivant, deux bras et une jambe. Au top suivant, trois bras et une jambe. D'accord? Donc, imaginez, je suis là en train, boum, de me déplacer. Je dis top, pam, pam, d'ici, d'accord? Je dis top. 1, 2 et 3, d'ici, j'y top, 1, 2, 3, boum, ici, je viens shooter, d'accord? Donc,
Un bras, une jambe. Deux bras, une jambe. Trois bras, une jambe. On est prêt? Allez, on bouge. Bon, c'est parti. Allez, je fais mes petites esquives. Je suis tout le temps ici. En déplacement, je peux venir faire travailler tout type de déplacement. À l'intérieur. Allez, top. C'est parti, un bras, une jambe. Hello, sliding. Top. Deux bras, une jambe. C'est parti. Top. Trois bras, une jambe. Et on revient un bras, une jambe. Allez, ça va aller un peu plus vite maintenant. Top. Pam, pam. Et on bouge. Top. Deux bras, une jambe. Top. Trois bras, une jambe. Et c'est parti. Top. Un bras, une jambe. Top. Deux bras, une jambe. Top. Trois bras, une jambe. Et on revient. Top. Un, un. Allez. Top. Deux, un. Top. 3-1. Et entre ça, je me déplace et je fais mes esquives. Top. 1-1. Top. 2-1. Top. 3-1. Ok, parfait. Allez voir, deux petites secondes. Profitez-en pour nous dire ce que vous en pensez, d'accord? Au niveau de l'intensité, on passe à un exercice différent. À toutes. Je vais en profiter pour voir moi aussi, allez. T'as raison Thomas, ça ne se fait pas de découper les éléphants. Il vaut mieux découper les chauves-souris, les pangolins. On est bon? En tout cas, ça fait plaisir de m'entraîner avec vous, de revoir tous les potos. J'aimerais bien vous avoir ici à Madrid comme il y a peu. Au passage, j'en profite pendant que vous reposez des petites secondes, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Alexandre Orozco, j'ai 25 ans. Actuellement, on est à Madrid, ici, dans le secteur Espagne de la FKM. Mon école, c'est Kairos Krav Maga. Je pratique depuis, je ne sais pas combien d'années, mais c'est 96. Donc, je vous laisse faire les soustractions, c'est pas mon fort, d'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser quant à moi, mais voilà. Ok. Donc, je suis directeur technique national secteur Espagne et le président. D'accord. Je fais aussi la vaisselle, le ménage, de la fédé, tout ça. Ok. Donc, c'est un peu le thème. Allez, on va travailler un peu. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est... on va dire c'est comme un pot pourri de cours qu'on propose nous. Malheureusement, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Personnellement, ceux qui me connaissent savent parfaitement que dès que j'ai pu aider la Fédé, je l'ai fait sans aucun souci, sans jamais rien demander en échange. Malheureusement, notre situation de paiement d'élèves au mois, la crise qui normalement, on devrait ouvrir le gymnase en décembre, on parle de 10 mois d'arrêt, pour nous économiquement c'est insoutenable. Donc il est vrai que nos cours online chez Krav Maga à Kairos, c'est payant. On aimerait pouvoir les offrir à tout le monde de manière gratuite. J'essaie de faire de petites vidéos sur Facebook pour partager un peu, parce que c'est vrai que ça nous fait chier de ne pas pouvoir partager ça avec tout le monde. Mais bon, malheureusement, après, bon, le prix, pour ceux qui m'ont demandé, c'est 40 euros, c'est 40 vidéos et c'est 12 heures de cours non-stop. Donc, c'est pas non plus excessif, mais bon, malheureusement, on aimerait pouvoir faire ça bénévolement, comme le fait Gilles, comme le fait Yann, et comme le fait pas mal de Christopher, pas mal de monde sur Facebook, et en tout cas, un grand, grand bravo à eux de pouvoir faire ça. Donc, regardez bien, on va commencer à travailler échelonné. Donc, ça, c'est des enchaînements qu'on fait justement dans les vidéos, mais on a commencé, on en est à la 12e vidéo. Donc, c'est vrai qu'on a échelonné ça. Donc, là, on va faire vraiment light pour que tout le monde puisse nous suivre. Quand je vais dire 1 ici, je vais frapper ma gauche, d'accord? 1, c'est gauche. Donc, la gauche que vous voulez, elle peut être défensive ici, enfin sur place, un peu plus offensive ici, boum, en tournant le talon opposé pour les débutants. Pour les avancés, je peux venir frapper en déplacement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le 1, ok? Donc, on va faire deux petites secondes, on va aller vite sur ce mouvement-là, parce qu'on va le voir structuré au long du cours, d'accord? Donc, ici, quand je dis 1, c'est la gauche. Attention, ici, à maintenir la main en garde. Pour pouvoir maintenir la main en garde, par exemple, je vais chercher quelque chose qui ne se casse pas. Tout. Ici, je vous conseille souvent de garder quelque chose sous l'aisselle, d'accord? Ceux qui ont tendance à ouvrir, ça risque de tomber. Mais quelque chose de plus gros, d'accord? Donc, vous pouvez prendre une bouteille en plastique, d'accord? Par envers.
Là, la garder sous le bras, pas collé ici, hein. On se rappelle que notre garde, c'est pas ça, hein. D'accord, c'est ici. Donc là, c'est largement bon, ou la garder en contact ici un peu pour apprendre à monter la main si vous avez du mal. Donc je suis ici, je dis 1, c'est la gauche, on est prêt? Allez, 1, on frappe et on se déplace un peu, 1, je frappe, je reviens, 1, je frappe, je reviens, 1, je frappe, je reviens. Vous pouvez changer la position des mains si vous voulez, 1, ok, c'est facile. Quand je dis 2, c'est gauche-droite, ici. Donc, pour les avancer, pour les pieds, un, bam, ici, d'accord. Donc là, je plante fort pour bien marquer le pas, mais c'est bam, bam, ici, d'accord. Donc ici, un, je viens ici, d'accord. Ce serait possible de faire ça sur l'avancée, mais c'est plus compliqué, ok. Donc ici, ça c'est deux. Ça c'est deux, bien en ligne, bam, bam, on frappe dans, bam, bam, dans un tube, ok. Allez, on est prêt. Allez, deux. 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 Pour notre compatriote de Bulgarie, non, malheureusement, ce n'est pas mon gymnase qui ouvre en décembre. C'est toutes les activités de loisirs. Bar, restaurant et tout ce qui est sport et loisirs. Donc, fini jusqu'à décembre. Le foot, je pense qu'ils trouveront un moyen pour prendre la ligue un peu plus tôt. On est prêt? Allez, deux. On part. Bien hermétique. Le front un peu bas, d'accord? 2. Ok, simple, d'accord? Numéro 3. 1, 2, 3. Ici. Crochet du gauche. Pam, pam, pam. Ici, d'accord? Donc le crochet, vous l'avez main de vue avec Gilles. Donc je ne vais pas repasser les détails techniques pour pas que vous me preniez la tête. Mais mon prof, il ne fait pas comme ça. Donc ici. 1, 2, 3. Bras parallèle au sol. Épaule, la tête basse, pardon. Le point 45 degrés. On peut le tourner s'il est un peu plus haut, d'accord? Donc le 3, c'est pam, pam, pam. Pour les gens qui n'est pas encore bien à l'aise avec le déplacement, 1, 2, 3, d'accord? Et pam, 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 il y a mon poids de corps qui passe bien, ok? Allez, on est prêt? Numéro 3. Pam! Allez, 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Allez, quand je dis 4, on rajoute direct du droit, d'accord? Pour les avancer, si vous voulez faire 1, 2, 3, j'ai baissé ici, boum, pour revenir avec mon hypercute du droit, il n'y a pas de problème. Mais si je frappe hypercute du droit, je ne veux pas avoir 1, 2, 3, baisser pour venir travailler, d'accord? Je sais que je vais envoyer ma droite, je prépare mon hypercute du droit avec mon crochet du gauche. 1, 2, 3, je suis bas, boum, j'ai plus qu'à remonter ici pour venir boxer, ok? Donc là, on travaille. Sur 4, pour les débutants, ici, 1, 2, 3, 4, ok? Quand je dis débutant, hein, c'est, je me sens pas à l'aise. Je peux être ceinture noire et pas me sentir à l'aise sur mon pied-point en déplacement, d'accord? Donc, ne le faites pas, c'est pas grave. Je vous rappelle que, très important, j'en parle souvent en cours, l'effet Dunning-Kruger, d'accord? Fameux, je sais plus le mot en français, mais je crois que je sais, plus j'en ai aucune idée et plus je crois que je suis bon. Et c'est un souci qu'on a beaucoup dans les sports. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4. D'accord? Et pour ceux qui vraiment ont du mal, 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est 4. On est prêt? Allez, 4. Allez, 4. D'accord? Ça c'est pour les débutants. Allez, 4. En plantant bien mon poids de corps au sol. 4. 4. 4. 4, 4, ok, maintenant on fait ça, 1, 2, 3, 4, ok, on est bon, allez, 1, c'est la gauche, 2, gauche-droite, 3, gauche-droite, crochet du gauche, 4, gauche-droite, crochet du gauche, et la droite, ok, allez, encore une fois, 1, 2, 3, 4, ok, maintenant regardez bien, on va faire ça en frappant avec le genou, parce que j'ai vu que vous l'aviez travaillé avec, avec Gilles. Pour expliquer le genou, il y a différentes manières de frapper un coup de genou, d'accord, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ici, je pourrais frapper ascendant, d'accord, si
Je suis proche pour frapper au niveau des parties, ou si la personne est pliée, parce que ça va venir revenir et ça va venir frapper. Si la personne est droite, c'est vrai que le coup de genou ascendant, c'est compliqué à mettre si je ne le mets pas en partie. Si je veux frapper au niveau du corps, je devrais le mettre horizontal au sol. C'est ce que Gilles vous expliquait. Là, je vais prendre notre ami Momon. C'est pas le moment parce que c'est le dieu grec du sens de l'humour. Donc là, j'ai Momon. Je vais essayer. Je ne sais pas si je suis bien en angle. Si je viens frapper comme ça, bah, je ne fais rien si je ne frappe pas dans les parties. S'il est penché ici, il y a un impact. Donc si je suis là, bon, je vais devoir venir le planter. D'accord ? Je vais vous montrer un peu ce que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le réexplique. Pour ceux qui l'avaient vu, bah, je continue de dire ça. D'accord ? Donc regardez bien ici. Sur le coup de genou, si j'ai mis ma gauche, je vais venir frapper avec mon genou du droit. Je pourrais frapper bien sûr avec mon genou du gauche, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que c'est plus simple pour les débutants, parce que j'ai déjà la rotation ici. Vous avez vu Karate Kid ? Là, si vous ne l'avez pas vu, hop, arrêtez le live. Ça dépend de quel état, non. Allez vous télécharger ça, d'accord ? Donc ici, j'ai mis ma gauche, boum, je mets mon genou du droit, d'accord ? Donc ici, je fais gauche, boum, genou du droit. Quand je dis 2, 2 ici, et là je vais faire step, genou du gauche, d'accord ? 1, 2, step, boum, genou du gauche, d'accord ? Quand je dis 3, on revient sur le genou du droit, 1, 2, 3, boum, genou du droit. Quand je dis 4, 1, 2, 3, 4, step, boum, genou du gauche. On est bon ? Tout simple. Allez, c'est parti ! Allez, 1, et je bouge, 2, pam, pam, boum. Et je bouge. 3, pam, pam, pam. Je viens ici, pointe du pied vers le sol pour le coup de genou. Talon collé au cul. D'accord ? C'est pas ça ? Un coup de genou, c'est ça. Boum, je viens vraiment ici. Là, j'ai fait une tempo. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment. Boum, je viens rentrer et je viens piquer. Ok ? Si vous voulez faire ascendant, il n'y a pas de problème. 1, hein, boum, je remonte ascendant. Ok ? Allez, on revient. 1, coup de genou du droit. 2, coup de genou du gauche. Pour le step, on se rappelle, c'est pas arrière, pas devant, genou en genou. D'accord ? C'est pointe de pied. Boum ! Ici. Allez. 4. 1. 2. 3. Et 4. Ok. Après, on revient un peu sur ça. Sur le genou du gauche, c'est comme le genou du droit, il y a différentes manières. Il y a ce qu'on appelle long step, c'est pas genou. Et si la courte distance, step, genou. D'accord ? Là, j'ai opté pour celui-ci. C'est là où les gens ont un peu plus de mal. Le long step, genou, c'est plus simple. D'accord ? Donc, je préfère vous mettre un peu plus dans le truc. On est OK sur ça ? Donc, voilà, Juan Carlos. Espero que estés bien. Ouais, donc, là, on va arrêter. Si vous voulez voir, deux petites secondes, et on passe à l'exercice de self. D'accord ? De défense contre saisie. Donc prenez deux petites secondes, je vais en profiter pour m'essuyer le front. Il y a les voisins qui se plaignent, ils me disent que ça brille. Je me sens un peu comme genre Mylène Farmer, je me vois à la télé, je suis super rouge et brillant. Ça va tout le monde, vous suivez encore ou pas? Ok, allez, on va travailler un classique, sortie d'étranglement avant, d'accord ? Pas la poussée avec le bras relevé, la classique, j'aimerais retravailler ça pour pouvoir vous faire un petit exercice virtuel. Donc d'ici, allez bien, on se rappelle, les mains en cuillère, les mains viennent se joindre entre elles et viennent au contact de mon cou, d'accord ? C'est pas là. Donc quand je le fais dans le vide, ça doit venir ici. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas ça, d'accord ? C'est ça, et c'est chiant parce que comme il y a un retard de presque une minute sur la télé, ben je me vois pas pour voir si c'est bien. Et j'ai pas envie de rester ici comme un teubé. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, main en cuillère, ensuite c'est une question d'angle, d'accord ? Moi en cours, la personne que je fais m'étrangler, j'en prends un costaud, et je fais m'étrangler ici, d'accord ? Bras fort. Et je prends n'importe qui a l'air un peu en forme et qui pèse lourd, et je lui fais faire des tractions, des relevés directement, je prends le mec qui fait du crossfit avec ça. Donc, je lui fais relever pour que les gens voient qu'il y a un mec de 90 kg de muscle qui est en train de faire des tractions sur un bras qui est en train de m'étrangler. Donc directement, on comprend que la sortie, c'est pas vers le bas. Parce que plus je tire vers le bas, plus il y a une structure forte au niveau de mes clavicules et plus le mec, il est stable. Donc ça sert absolument à rien, d'accord ? Donc on va venir ici en diagonale, d'accord ? Donc c'est vraiment comme si j'allais m'arracher le t-shirt.
Malheureusement, on n'a pas battu le record de Gilles, donc il n'y aura pas d'arrachage de t-shirt. Donc ici, c'est les mains en cuillère en contact avec mon cou. Donc ça va être le premier mouvement qu'on va faire, d'accord? On est là, et là je vais vraiment exploser. Voilà, c'est un mouvement sur la vitesse, d'accord? C'est ce qui nous permet, quelqu'un de plus léger, de sortir de quelqu'un de plus fort. Si on va force contre force, on est dans la merde, d'accord? Donc le mouvement, c'est pas ça, parce que tout ce mouvement-là, je suis mort, là. Il y a quelqu'un qui est en train de m'étrangler, d'accord? C'est le plus court, on reste dans les principes du crabe, mouvement court, boum, et j'explose sur l'arrière, d'accord? On va en faire ça 10 fois, allez, on est prêt? Allez, top! Et on revient. Top! Et on revient. Top! 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 On a vraiment l'air d'un teubé ici. Top! J'espère qu'il y a des gens qui le font avec moi. Hein. Top! Top! D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, à bien comprendre, c'est le coup de genou. Donc là, on est en train de simuler que la personne se trouve ici. Alors, je vais leur en prendre un moment. Donc, Momo, si vous voulez vous faire un Momo, d'accord? Tous les célibataires, hein? Donc, ici, c'est facile. Fille garçon, hein, attention. Donc, ici, je prends un sweat, par exemple, un qui pète. On remplit de coussin, 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 d'accord? Donc, ici, allez bien. Là, je suis là, d'accord? Face à Momo. S'il a cette distance-là, c'est clair que c'est le genou. S'il a les bras plus longs, je suis ici. Avec lui comme ça, comme en cours parfois, c'est clair que c'est le coup de tibia. Donc là, on est en train de simuler que la personne est de face à mi-distance. Ok? S'il serait un peu plus sur le côté, on sait que c'est la jambe qui va avec. Ok? C'est physique. Ah, Jérôme, vous n'allez pas m'obliger à vous insulter de faible. Ok. Donc ici, allez bien. Je mets les deux mains, on va oublier ça, mais non, c'est les jambes. C'est un rectangle, mon corps. Il y en a, c'est plutôt des cercles. Mais c'est vraiment là, ça fait rectangle, d'accord? Malheureusement, c'est pas un triangle. Donc d'ici, si je lève mon genou pour frapper, je tombe. Ok? Et si je veux frapper sans tomber, je vais devoir mettre ma ligne de gravité au centre du polygone de sustentation qui est au sol de mon pied, d'accord? Donc je vais devoir frapper comme ça. Et ça, on ne peut pas frapper comme ça. Non, mais pas bon, il n'y a pas de puissance des hanches. Donc pour pouvoir frapper au centre où il y a ces parties ici, d'accord? Donc là, l'objectif, c'est de déplacer mon corps pour pouvoir frapper au centre. Donc mon pied d'appui, il va devoir faire un petit mouvement. Donc, ce n'est pas un saut ici, ce n'est pas sortir de l'axe. Je vais essayer de le prendre avec une ligne au sol. Ah, je ne vous ai pas dit, je n'ai pas ma ceinture parce qu'elle est à la salle. Et comme on n'a plus le droit de se déplacer, je n'ai pas de matériel, ni couteau, ni paro. Donc, voilà, donc pas de ceinture. J'ai ma ceinture du peignoir, mais ça la fout mal, une ceinture rose. Donc, allez, viens ici. Je suis là, je vais faire ça. Et vous voyez que mon talon est sur la ligne. Mon talon est au centre de mon corps, ce qui me permet d'avoir une très bonne stabilité, de pouvoir passer ma frappe, d'accord? Donc ici, le coup de genou, c'est pas comme tout à l'heure, c'est pas un coup de genou horizontal, c'est un coup de genou ascendant. Ce que je veux, c'est de venir frapper dessous, que ça remonte et que ça ressorte, d'accord? Donc l'objectif ici, c'est ça, d'accord? Je viens, boum, remonter d'un côté et de l'autre. Et on se rappelle qu'on se penche en arrière pour éviter que la personne qui est en train de m'étrangler ou par un acte réflexe de vouloir éviter mon coup de genou se penche et vienne me frapper au niveau du visage, ou parce qu'il a reçu le coup, il vient me mettre directement le coup de tête, d'accord? Donc d'ici, on va venir faire ça d'un côté et de l'autre. Venir frapper, on est ok? Allez, c'est parti? Allez, top! Et on revient, top! Et vous voyez là, c'est vraiment ascendant, j'essaie vraiment de remonter tout ça, le haut de la cheminée. Top! 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 Merci de me remercier, mais c'est moi qui vous remercie d'être là. Hein. Top! 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 Ok. On a fait pas avec la jambe, on va joindre ça avec les bras, d'accord? Donc, d'ici, dans le même temps, je viens sortir. Je viens sortir. On est prêt? On explose bien. Allez, top! Top! Ceux qui avaient du mal, on fait ça tout doucement, chacun son rythme. Top! 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 Vous voyez que mon pied, quand je l'ai déplacé, je ne l'ai pas mis au centre comme ça. Parce que comme ça, je ne suis pas en équilibre, d'accord? C'est vraiment une toute petite rotation. Là, je suis vraiment stable. Je pourrais toucher le sol et revenir sans tomber. D'accord? Chose qu'en faisant ça, on a beaucoup plus de mal. Donc d'ici, c'est vraiment boum. Là, je viens vraiment remonter. J'expose, je tire sec. Top! Top. Ok. Donc ici,
Je vais vous expliquer une petite chose que j'ai par là, dans des styles iPad. Ici. Donc on va faire un petit jeu interactif, d'accord? Parce que c'est vrai que c'est, j'ai pas envie de faire que du face à face comme si je n'existais pas. Voyez ou pas? Alors là, on va faire un petit jeu interactif. Non, je déconne. Au départ, j'avais pensé à ça. Je me suis dit, si jamais les gens commencent à se plaindre de mes cours, j'ai qu'à faire ça. Bon, voyez ici. Et là, je parle comme Gilles, et normalement, ça devrait passer parce que vous l'adorez. D'accord? Donc, le jeu qu'on va faire, c'est ça. Regardez bien. On va faire un exercice. Vous allez être face à moi, d'accord? Yeux fermés. Quand vous allez écouter top, vous allez ouvrir les yeux et devant l'écran, je vais vous mettre une technique. Donc, je suis resté sur les choses pour les débutants parce que je pense que c'est quand même ce qu'on a de plus et je ne pense pas qu'il y ait de 200 personnes, 180 ceintures noires. Donc, on va rester sur les basiques, ceinture jaune. Ça peut être de face, d'accord? Ça peut être à gauche, à droite, ça peut être dans le dos, ça peut être étranglement arrière avec l'avant-bras, parce que vous l'avez vu avec Gilles, je voulais faire une petite révision de ce que vous êtes arrivé, vous vous rappelez. 1, 2, je passe genou et je viens faire ma clé, d'accord? Ça peut être la guillotine. 1, 2, je sors, je viens faire ma clé. Donc, si vous n'avez pas vu l'étranglement arrière et la guillotine, vous ne le faites pas, c'est pas grave, d'accord? Ce que je veux, c'est que vous ayez un niveau de tension bas, relâché. Je suis vraiment comme si j'étais dans la rue. J'écarte les yeux, je lis, boum, et j'expose en une petite fraction de seconde. On est d'accord? Tout le monde a adoré Gilles. Donc, voilà ça, c'est. Donc ici, j'espère que c'était bien avec entre le monde. Donc là, vous allez me faire ça. Je vais fermer là. Là, je suis vraiment désolé pour tous les gens qui ne parlent pas français, c'est-à-dire les Espagnols, les Portugais, les Français, etc. Donc d'ici, je fais ma sortie en explosant. D'accord? Donc là, si c'est sur le côté droit, boum, je fais ma sortie, j'explose d'ici, pam pam, j'ai frappé, je mets une frappe et je reviens et je ferme les yeux immédiatement. Essayez de ne pas faire de triche. Je dis top, vous lisez, vous explosez. Ok? On est prêt? Tout le monde me suit? Allez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Je vais placer ça. N'ouvrez pas. Allez, top! On frappe et on revient. Alors attendez, je ramène un petit truc. Allez, on ferme les yeux. Top! Allez, on explose guillotine et on revient. J'espère que vous avez bien. Je ne l'ai pas expliqué, pardon, sur l'étranglement arrière. Comme c'est un peu long à écrire étranglement arrière, j'ai mis matalero. D'accord? Le mot portugais pour l'étranglement arrière avec les avant-bras. D'accord? Donc si vous voyez un mot que vous ne comprenez pas, vous savez que c'est ça. Le reste, normalement, vous allez pouvoir le capter. Allez, on ferme les yeux. Allez, on revient. Allez, on ferme les yeux. Top! Alors là, c'est I love Kairos. Bah, là, c'était pour déconner, d'accord? Et pour faire la pub. Mais, qu'est-ce que j'aurais voulu? C'est que quand vous avez ouvert les yeux, vous avez vu ça, vous n'êtes pas parti dans le stress de la réaction, d'accord? Ce que je veux, c'est que mon niveau de tension, il reste bas. Si je dis un truc, une connerie, ou rien du tout sur l'écran, je dois être comme si j'avais fermé les yeux avant et je suis vraiment relâché. C'est vraiment passer de 0 à 100. C'est ça la difficulté qu'on a, nous, dans la scène. D'accord? Donc, on continue. Vous fermez les yeux. Top! Et rapide, rapide. Allez, on ferme les yeux. Fermez les yeux rapidement. Top! Et on revient. Top! Oui! Là, si vous avez sursauté, c'est normal. Hein. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, hein, j'ai eu peur. Allez, on revient. Top! Allez, rapide. J'expose. Reviens. Alors, ferme les yeux. Top! Allez, je fais ma sortie. J'explose. Bon, 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 bon. Je sors et je reviens. Et rapide. Top.
J'expose. Ferme les yeux. Allez, plus que deux. Top. Allez, j'expose. Rapide. Sortie d'étranglement arrière. Vous pouvez faire là, celle que vous voulez. Hein. Pousser, en tirer. Top. Ok, parfait. J'en profite à nouveau pour rappeler la cagnotte Litchi de Gilles. C'est vraiment un super truc. Je répète, on est 20 000 dans la fédé. Si tout le monde donnerait 1 euro, qui est absolument rien. Ça leur ferait du bien à tous les gens bah, qui vont pouvoir aider, d'accord. Donc vraiment, vraiment un super truc à faire, d'accord. Et merci beaucoup à Gilles pour son invitation. J'en profite d'ailleurs pour faire la même chose qu'il a fait, renvoyer l'invitation à quelqu'un d'autre. À la semaine prochaine, c'est Christopher Bernard qui sera là. Et ensuite, j'espère qu'il y aura d'autres hauts gradés qui viendront tester ça. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis content d'être ici. Je suis vraiment stressé. J'ai fait des stages à plus de 300 personnes et je n'ai jamais ressenti ce stress. Là, c'est quand même particulier la chose. C'est pas le droit à l'erreur, parce que le droit à l'erreur, c'est comme en stage, quoi. Mais c'est vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, pour pouvoir vaincre un peu cette peur, d'accord. On va continuer sur le programme, ok. Donc, ici, que je ne me perde pas. Salut James, gros bisous, Miro. Salut Muriel. Donc ici, d'accord. Donc, où est-ce que j'en étais? Tchac, tchac, tchac. Ouais. Là, ça fait un peu genre atmosphère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était monter le son et baisser les lumières. Avec la capuche et les gens qui jouent aux jeux de société. En tout cas, ça m'a rappelé ça, moi. Donc là, maintenant, c'est les doubles coups de genoux. Donc, c'est pour travailler un peu le rebond. Les coups de genoux, regardez bien. J'ai deux jambes. D'accord? C'est simple. Je peux frapper en croisé, une fois gauche, une fois droite, ou je peux remiser, redoubler avec la même. Donc ici, on va commencer à travailler doucement. C'est la même chose qu'on fait sur Kairos Ramaga Online. Donc ici, regardez bien. Je frappe. Coup de genou du droit, je reviens, coup de genou du gauche, ok. Pour les avancer, je peux faire coup de genou du droit, je reviens, boum, middle du gauche, d'accord. Ou coup de genou du droit, je reviens, coup de pied direct du droit du gauche, d'accord. Ce que vous voulez, pour les débutants, si vous avez peu de place, moi j'ai opté pour ça, pour penser à tous les gens qui ont peu d'espace, on va travailler sur les genoux, d'accord. Allez, hop, 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 hop. Voilà, et nous. Si, muchos años, fuerte abrazo. Donc, regardez bien ici. Je frappe. 1, je reviens, step, genou du gauche. On est bon? Allez, top. 1 et 2. Et on travaille, on se déplace. 2, 1 et 2. Et on revient. 3, 1 et 2. Et on revient. 4, 1, je pose pas devant, je reviens derrière. 4, je frappe et je reviens. Allez, 5. Je frappe et je reviens. On est bon? Parfait. Donc maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. On va faire l'erreur que certains ont fait, ce que je vous ai vu ici, d'accord? Donc là, je vais venir frapper. Genou du droit, je pose devant, genou du gauche, d'accord? Je vais toucher cette fois-là, il est parti à l'arrière. Je veux lui mettre un peu la pression, d'accord? On se rappelle qu'en hébreu, en crabe, la pression s'appelle kalima, d'accord? Bam, bam, je lui mets la pression, il doit partir à l'arrière, d'accord? Donc on est ici, je mets genou du droit, je pose. Genou du gauche, on est bon? Allez, top! Genou du droit, je pose, genou du gauche. Allez, top! Genou du droit, je pose, genou du gauche. Top! Boum, je garde les mains en ligne haute. Top! Hein, excepté si j'ai saisi, bien sûr. Je viens saisir pour venir ramener et augmenter la force. Allez, le dernier, top! Ok. Là, on est bon. Là, on a travaillé. Jambe droite. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Avec la jambe droite, on ne pouvait pas faire beaucoup plus de choses. On pouvait frapper, revenir, ou frapper, poser devant. D'accord? Je ne peux pas frapper et rester ici. D'accord? Possible, hein? Mais ça, c'est secret. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remiser avec la même jambe. Donc là, je frappe, je ramène derrière, j'avance, je refrappe avec le même genou. On est OK? Allez, c'est parti. Je viens de me voir en train de faire la grue. Elle est vraiment pas bien foutue, je vais devoir la refaire. Je sais pas si je suis bien centré. Donc ici, on est bon? Allez bien. Je frappe, je reviens. Je frappe, je rentre. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Le dernier, avec le genou du droit,
Ça va être genou du droit. Boum, je pose devant, step, genou du droit. Ok, c'est différent cette fois-là. Allez, on est bon? Allez, top, boum, je pose, step, je reviens. Allez, 2, je pose, boum, je reviens. 3, je pose, boum, je reviens. 4, je pose, boum, je reviens. Salut Moyen, salut Vic. Allez, le dernier, top. Je pose devant, step, je reviens. Ok, parfait. 2 petites secondes, j'attache mes lacets. Fallait me faire une entorse. J'ai pas l'habitude de m'entraîner avec des chaussures, je déteste ça. Mais j'ai un petit souci niveau physique à la cheville. Et malheureusement, avec le parquet, je peux pas trop rebondir pendant aussi longtemps. D'accord? Donc je suis pas bien à l'aise là sur mes appuis, mais bon, c'est ce qui se passe. Ce serait pareil dans la rue. Maintenant, on va travailler jambe gauche. Dites-moi si vous me suivez, je vous laisse 2 petites secondes. Pour voir si vous êtes encore avec moi ou si vous êtes parti vous coucher. On va devoir finir un peu plus tard que l'heure prévue, hein, comme Gilles, malheureusement. Prenez ce ballon, périnette par ballon, pas fait. Allez. Ça. Allez, il nous reste allez, 3 petites choses et le cardio pour finir. Ok, allez, jambe gauche. Jambe gauche, c'est comme tout à l'heure. On va venir croiser d'abord jambe gauche, jambe droite. Et la jambe gauche, elle peut faire 2 choses. Elle peut venir frapper, revenir en arrière, mais ce serait compliqué dans ce cas-là. J'ai pas envie de travailler, sinon ça va faire un peu trop. Donc ici, allez bien, je pose là, je pose devant, genou du droit. D'accord? Step, gauche, je pose, genou du droit. Le coup de genou, comme le coup de pied direct ou le coup de pied circulaire de la jambe avant, on n'est pas obligé de faire un step. D'ailleurs, c'est pas le plus recommandé pour le crabe, puisqu'on marque la frappe. D'accord? Quand on est en combat en masquant ici, ce serait possible, mais sinon. On peut frapper directement. Mais c'est vrai que le genou, s'il n'y a pas une forte avancée de l'agresseur sur nous, il n'y a pas beaucoup d'impact parce que je n'ai pas de saisie. D'accord? Donc c'est vrai que si la courte distance, il n'avance pas, le step, ça permet quand même de générer plus de puissance. Vous pouvez tester à la salle avec des paos. Voilà. Ce travail-là qu'on est en train de faire, c'est vrai que c'est plus intéressant de le travailler au paos. Ce qui me permet à la personne, en fonction de si elle a fait un pas de recul ou pas pour les profs, enfin je parle, bah, de pouvoir savoir si je dois avancer ou non. D'accord? Oh putain l'enculé, je suis en train de voir Patrick Carwan qui envoie des messages en privé sur un groupe qu'on a, mais qui n'est pas en train de s'entraîner. Pareil, hey, Franck Boucher, Patrick Carwan, d'accord? Je vous ai vu, vous vous entraînez une merde. Donc ils ne s'entraînent pas eux. Donc allez bien ici. Je fais step, je pose, genou du droit. On est bon? Allez, on part sur 5, bonne intensité. Allez, top, boum, et je reviens. Top, top, top. Top. Allez, dernier. Top. Ok. Maintenant, d'ici, au lieu de faire le step, je vais faire un pas, je frappe, un pas, je frappe. D'accord? Là, je viens marquer et là, je viens me rentrer le coup de genou sur une feinte. D'accord? Sur un compromis, ça peut passer. On est bon? Allez. Top. Par avec la droite, je frappe, genou du droit. Allez. Top. Par, je frappe, genou du droit. Top, top, pas genou, ok? Ça, c'est vraiment pas compliqué. Désolé, j'ai pas fait l'autre chaussure. Et maintenant, on va travailler les doubles. D'accord? Sur la double, on va travailler que la plus compliquée des deux. Je suis ici, je fais step, je pose, je fais step, je remise. Je rappelle que pour les avancées, parfait Patrice. Donc je rappelle que pour les avancées, hein, ça peut être genou ici, boum, middle de là, ou genou ici, coup de pied, parti. Ce que vous voulez, vous pouvez changer, d'accord? Si vous avez de l'espace. Sinon, on reste sur les genoux, c'est plus simple, pour ne pas se compliquer. Donc ici, je suis en garde, je fais mon genou et mon genou, d'accord? Je suis là, genou, je pose, genou. On est bon? Allez. 1. 2. Allez, double genou, double contact. 3, vous vous rappelez? Chad et Alex, séparés à la naissance, réunis pour la vengeance. 4, sacré film. 5, ok, parfait. Ça va? 2 petites secondes pour voir. On passe à la phase numéro 3, niveau technique. Donc, respirez un peu. Respirez, respirez. J'en profite pour aller un peu les messages. Tout le monde va bien?
Ouais, bah on va pas finir à l'heure. Déjà, on a commencé plus tard. On a commencé presque 15 minutes plus tard. Puis avec les petits problèmes de son et tout. Puis on n'a rien d'autre à faire. Donc, à partir de là, moi, il m'avait dit, ouais, il y a Jules Chanel, tu verras, tu vas aller donner les cours. Après, j'ai rien compris. Il m'a dit, ouais, si tu arrives à 3 500 euros, si tu te déshabilles pour 3 500 euros, j'ai dit, ouais, bien sûr, moi, pour beaucoup moins même. Et il devait m'envoyer de l'argent, je viens de voir que j'ai rien reçu, donc je comprends rien du tout. Salut Olivier, je t'avais pas vu. Ok, ici on va faire un petit exercice. Je vais pas le faire en entier, sinon on va perdre du temps. J'en profite. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Kairos Online pour voir. C'est un travail qu'on a fait. Tout ce qu'on est en train de voir d'ailleurs, hein, j'en profite, c'est ce qu'on voit dans les cours. Hein, donc c'est vraiment un petit échantillon, mais c'est ça. Salut Laurence! Il paraît qu'en Belgique, ils ont fait le confinement pour que Laurence arrête de frapper les gens dans la rue et tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Regardez bien, j'ai la ligne ici. Vous avez vu la défense contre couteau en piqué, plus la saisie, etc. D'accord? Pour l'instant, on ne va pas faire la frappe, le désarmement. Vous l'avez déjà vu, j'ai vu que plusieurs profs l'ont fait. Je ne sais pas si Yann l'a fait, si Gilles l'a fait, je crois que oui. Donc on ne va pas revenir. Salut Yann! Donc là, viens ici, on est là, on se rappelle que je sors mon corps de l'axe, d'accord? Parce que si je fais ça, je prends le couteau. Donc c'est vraiment ça, la priorité, c'est sortir de l'axe, avoir une esquive totale du corps, d'accord? Mais c'est pas ça, je pars pas à perpète, d'accord? Donc je suis ici, et mon bras, bien sûr, s'il est là, et que le bras, il est là, ben, je viens de me le prendre. Donc mon bras, il faut quand même qu'il croise la ligne. Et c'est pas tendre ici, c'est vraiment l'avant-bras, mon avant-bras collé au corps, etc., etc., etc. Pour ceux qui n'avaient pas vu en détail, vous allez me faire ça. Comme ça, même si c'est mal fait, c'est pas grave. D'accord? Ce que je veux qu'on travaille, c'est le tendresse. Vous voyez, mon avant-bras est perpendiculaire au sol. Normalement, j'espère que je suis en train de bien le faire et que c'est au niveau au moins de la ligne. D'accord? J'ai mon appui qui est fort, ce qui me permet de réavancer sur la personne. D'accord? C'est toujours la même chose. Des bons appuis, bonne stabilité pour avoir une bonne frappe. Donc, on est ici. Et là, je pourrais revenir à l'intérieur. Je vais enlever ça parce que je vais finir par glisser dessus. Et en live, ça va pas le faire. J'ai déjà des dossiers sur tout le monde, j'ai pas envie qu'ils en aient sur moi. Donc, on va travailler ça 2 petites secondes, d'accord? On va commencer en allant sur la droite. Je ne sais pas si vous me voyez à l'envers, je ne sais pas comment ça marche ça. Mais enfin, moi, je vais aller à gauche en effet miroir, d'accord? Effet miroir, je le rappelle, je fais la même chose que vous dans l'autre sens. Ouais, je suis quand même miroir, mais en plus bon. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on est ici, je fais 1 et je reviens. 1 et je reviens. On est OK? Allez, on part d'abord sur la droite. Allez, top! Et je reviens. Reviens, on est relâché. On n'est pas comme ça comme un guépard. Niveau tension bas, comme le jeu de tout à l'heure. Allez. 2, et je reviens. On se rappelle le bras qui permet au corps de pouvoir s'échapper encore plus. Allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà Diego, j'espère que tout le monde est bien ahí, en casa. Allez, 10. Ok, on est bon? Parfait. On va faire un petit jeu maintenant. Pareil que tout à l'heure, vous allez fermer les yeux. D'accord? Fermez-les pas tout de suite, regardez-moi. Et donc, je vais être là, je vais vous attaquer main droite ou main gauche. Le seul souci que j'ai, c'est que je n'ai pas de couteau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, j'ai tout mon matériel et je n'ai pas envie de prendre un couteau de cuisine pour que vous fassiez. Donc, je vais prendre la housse, l'étui du Mora, d'accord? Donc, comme ça, en plus, je pense que vous allez quand même bien le voir. Hein. C'est un étui de couteau. D'accord? Je vous l'explique. Pour pas qu'il y ait de malentendu. Donc, je suis ici. Si je vous attaque là, vous allez sauter de ce côté-là, avec le bras. Pour les avancer, vous pouvez faire l'intérieur, mais je préférerais quand même que vous travailliez sur l'extérieur, d'accord? Et si je fais ça, je vais le faire quand même doucement, vous allez me faire l'extérieur. On va travailler ça, d'accord? Yeux fermés, pendant un petit moment. Ok? On est bon? Tout le monde me suit encore ou pas? Ou j'en ai perdu plus de la moitié? Non, ça va, on se stabilise au numéro de vue. Donc, on est là. Allez. Je me mets en position de garde, yeux fermés, position naturelle, d'accord? Allez, fermez les yeux. Top! Et je reviens. Je me reviens dans la caméra pour voir si j'attaque bien dans le centre, si je me rapproche un peu pour que vous puissiez me voir de plus près. Allez. Top! Et on revient. Fermez les yeux, hein, ne trichez pas. Top! On revient, fermez les yeux. Top. On revient.
ici, d'accord? Je vous explique. Maintenant, de temps en temps, il va y avoir des faux signaux, d'accord? Donc, je peux vous attaquer ou je peux venir vous serrer la main. Donc, si je veux vous serrer la main, je ne veux pas voir exposé ici. Bon, vous venez, vous me serrez la main en même temps et on revient et on referme les yeux, d'accord? Donc, ça peut être serrage de main gauche, serrage de main droite. Malheureusement, on va en profiter, hein? On va commencer à s'entraîner à faire ça virtuellement parce que bientôt, on ne va voir plus serrer la main. Et ensuite, avec le couteau. Donc, j'analyse rapidement, je vois le couteau, je bondis, c'est la main, je serre la main. On est bon? Muriel me dit que c'est bon. Si Muriel me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Ok? Allez, on ferme les yeux. Top! Ok, on se donne la main, on revient. Alors, ferme les yeux rapidement pour aller plus vite. Top! Allez, on ferme les yeux. Top! On revient. J'espère qu'il n'y a pas d'écalage entre le son et l'image, sinon c'est vraiment pourri mon jeu. On ferme les yeux. Top! Allez, je vous laisse un petit temps pour analyser la situation. Top! Allez, on revient. Top! Un peu plus rapide. On évite de frapper celui qui vient serrer la main. C'est souvent ça en cours. Il finit par prendre une chiche. Hein. Il y en a qui finissent en prison pour moins que ça. Hein. Allez, on est bon. Allez, dernier. Top. Ok, parfait. Là, respirez deux petites secondes. Ça, c'était pas intense. On a repris un peu du rythme. Et maintenant, on va venir faire un petit mix de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on se rappelle, on avait vu. J'envoie un genou. J'envoie deux. Genou, j'envoie 3, genou du droit, j'envoie 4, genou du gauche. Vous allez me faire la même chose avec les doubles coups de genou. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai pas envie de trop dépasser non plus, d'accord? Parce que sinon, il y a Zuckerberg qui va venir me pourrir la vie. Donc, il va vendre mes données. Donc, ici, je vais venir faire la même chose, vous pourrez faire ce que vous voulez sur les doubles coups de genou. D'accord? Normalement, je préfère le structurer sur les cours online, mais là, on va faire un peu freestyle, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des doubles coups de genou. Vous pouvez faire. Genou du droit, genou du gauche. Vous pouvez faire genou du droit, comme vous voulez. On en a vu 4 versions, si vous vous en rappelez. Malheureusement, c'est vrai qu'on a vu ça très rapidement. Et on a travaillé 2 versions sur la gauche au lieu des 4. Ok, pour faire un peu plus court. Donc, si je finis. Merci, ça me fait plaisir que vous aimez les exercices. Donc, regardez ici. Si je fais, par exemple, si c'est 2, 1, 2, je fais genou, par exemple. Mais j'aurais aussi pu faire. 1, 2, faire genou. On est d'accord sur ça? Et comme ça, on travaille un peu les automatismes. Donc, on va faire d'abord dans l'ordre, et ensuite, c'est de manière aléatoire. On est OK? Les mains hautes, on passe bien le poids de corps. Quand je boxe, je ne veux pas avoir ça, je répète. 1, 2, boum, je rentre bien stable sur les appuis. D'accord? C'est pam, pam, 4, et le 4, c'est le direct. D'accord? On se rappelle? 1, 2, 3, et 4. OK? Allez! On est bon, on se déplace, allez. 1, genou, ou je double du même côté. Allez, 2, genou, là j'ai doublé pour changer. 3, 1, 2, 3, genou du droit pour changer. Allez, 4, 1, 2, 3, 4, genou du gauche, genou du droit pour changer. On est bon? Allez, encore une fois tout seul. 1, allez, je frappe genou du droit. Et ensuite, celui que vous voulez. Droit encore ou gauche? 2. Allez, c'est le genou du gauche qui commence. Et ensuite, ce que vous voulez. On se rappelle, on peut donner la deuxième frappe. La première, ce serait possible aussi. En direct ou en circulaire. En coup de pied. 3. 1, 2, 3 pour les avancer. Pam, pam, pam. Bien stable sur les appuis. 4. Allez, on se déplace, on fait ça de manière aléatoire. Allez, 3. 1, 2, 3. Crochet du gauche, bien propre. Pam, pam, pam. Et je suis bien en ligne. Ici, je frappe et je remise. 1. C'est la gauche. Je peux changer la position des mains. Hein. Je répète. 1. 4. Allez, bien, pour les avancer. Pam, 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 pam. Je poum, ici, allez. 3. Deux.
Je ne sais pas si Soyley m'a insulté ou pas, elle a marqué. Il va par ici. Je te dis la même chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bisous à tout le secteur finlandais. Ils sont moins cons que nous, au niveau de leur pays. Deux. Je parle de l'Espagne, hein. Je parle en France. Un. Et le moment. Quatre. Ok. Je vous laisse deux petites secondes pour boire. Il nous reste peu de temps. Donc là, que je regarde mon programme, j'avais dit que on passe au cardio. Donc le cardio, il faut calculer que ça va durer 8 minutes. Voilà, mes galères. Donc c'est ce que vous préférez. Si vous voulez voir encore une technique au sol, je peux vous expliquer une technique au sol. Donc marquez-le moi. Si vous préférez faire le cardio pour finir le cours dans 10 minutes avec les étirements pour ceux qui veulent rester avec moi, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, je vous laisse deux petites minutes, vous me dites sol ou cardio, ok? Et en fonction du nombre de gens qui sont encore avec nous et qui s'entraînent vraiment, eh ben on voit ça, d'accord? Ceux qui ne faites pas l'entraînement, s'il vous plaît, n'écrivez pas sol si vous n'avez pas le terme pour le voir demain, puisque les gens qui sont en train de faire le cours sont fatigués. Ok, bon, à l'instant, ça a l'air d'être le sol, bande d'enculé. Je voulais rentrer, moi, je voulais arrêter. Maman! Ici. Donc là, au sol. Attendez, il lui manque. Il est pas assez dense. J'allais dire les noms de profs de la Fédé, mais vous voyez, je respecte ce qu'on m'a dit, de ne pas insulter les autres enculés de la Fédé. Oh, pardon. Donc ici. Au sol, il y a plusieurs techniques. Je vais en choisir une qui est simple à travailler tout seul, d'accord? Mais c'est toujours compliqué. Hein. Donc là, j'ai mon momo. Je vous conseille d'en faire un, d'accord? On peut faire avec des jambes, hein. On peut remplir aussi un gil et ensuite avec du scotch ou avec une corde, l'attacher d'en haut avec des bretelles et tout ça. Mais bon, on va pas se compliquer la vie. Donc là, j'ai mon momo entre mes jambes. Donc là, ça va être un grand moment. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui font des vidéo montage, d'accord? Je l'ai à l'intérieur de ma garde. Ici, malheureusement, c'est vrai que je lui ai mis un sweat noir, j'en ai pas d'autres couleurs. On va pas bien voir avec mes jambes. Donc, on est ici. J'ai mon moment en contrôle. Bras par-dessus son coude, pas par-dessous pour pas qu'il puisse sortir la main facilement. On n'a pas les gants qui bloquent. D'accord? Ici. Donc, je suis là, d'accord? Au niveau du triceps, je ferme bien l'angle et je tire vers moi. Et si j'ai loupé et que je suis là, je vais saisir ma main au niveau de ma nuque, et je vais fermer ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, parce que c'est vrai que je parlais à l'intérieur d'un moment. Donc là, je suis là, d'accord? Je vais fermer ici, à l'intérieur, d'accord? Donc ça, c'est mon contrôle. Et ensuite, j'ai mon deuxième contrôle qui est au niveau de sa tête. Je ne veux pas qu'il se redresse, d'accord? Pour éviter les coups de tête. Vous voyez, si je suis là, il y a un moment qui va frapper, d'accord? Donc si je suis là, je viens saisir, d'accord? Je peux venir saisir sur le côté, au niveau des cheveux, au niveau des yeux, s'il a la tête tournée ici, d'accord? Au niveau des cervicales. Au niveau des cervicales, je vous conseille de ne pas venir avec la main, parce qu'il y a un bras dans le levier qui est vraiment trop faible, d'accord? Ça veut dire que je pose mes pieds pour pouvoir le faire, mais là, si tire, je n'ai pas assez de force dans le biceps pour pouvoir bloquer son relevé, d'accord? C'est plus intéressant pour moi de mettre le V du bras, ici, pour éviter qu'il puisse se redresser, hein? Parce que là, il faudrait qu'il m'arrache l'épaule pour pouvoir se redresser. Salut Dorian, salut amigo! Donc ici, ah désolé Gilles, putain moi aussi j'avais faim, non, on mange tard, on mange à 11h, mais je me dépêche, d'accord? Donc on est là! En travail. Mais malheureusement, il faut toujours penser que lui va trouver une solution. Ou en frappant, ou en me gênant, ça va glisser, il va m'enlever la main, il va se redresser, et on va être dans la merde. Donc, si jamais il se redresse, technique numéro 1, celle que je conseille, celle que j'ai expliquée dans une vidéo en français, un petit échantillon des cours online, avec la chaise, d'accord? Donc, regardez ça, allez sur YouTube ou sur notre Facebook pour revoir la vidéo. Là, on va travailler celle qui est dans la ceinture orange, sit-up sweep, au hip bump sweep. Lui, il s'est redressé d'ici, et moi, je vais le renverser. Donc d'ici, je vais venir remonter avec lui, me saisir au niveau du bras, je vais venir pousser pour pouvoir le renverser ici. C'est super agréable, en tout cas, de monter sur le vide. Donc là, je vais laisser mon nom sur le côté, et on va travailler dans le vide. Donc pour ceux qui le travaillent dans votre programme, bah top. Je rappelle que tous les avancés vont devoir le travailler, puisque bientôt, tout le programme seul rentrera dans les darbots. D'accord? Donc on est ici. Technique numéro 1, on est là, on va le faire par étapes. J'ai enroulé, j'ai saisi. J'ai lâché, il s'est redressé. La première chose que je vais faire, c'est ça.
Je vais venir remonter. Donc là, je vais venir poser ma main. Je pose pas mon coude. Si je suis fatigué ou s'il y a de la pression, je vais pas pouvoir faire ça. Donc je vais devoir travailler avec mes jambes. Là, on revient l'idéal. Il m'a laissé remonter avec lui. Donc je vais utiliser cette main quand lui il se redresse pour pouvoir monter. Si j'ai du mal à remonter, j'appuie mon coude pour poser ma main. D'accord? Et là, j'ai cette position-là. Donc, à partir de là, j'ai mon pied qui est au sol. D'accord? Si je ne pose pas mes pieds au sol, j'ai un animal à remonter ici, avec le partenaire. En dormant, c'est possible, mais avec le partenaire, c'est impossible. Il se redresse, je pose ici, main, deux pieds. Et là, il faut que je sois déjà stable. Si je ne suis pas stable là, il y a un problème. Ça, c'est le premier mouvement qu'on va faire. D'accord? On va faire ça, 5 d'un côté, 5 de l'autre, pour faire ça rapidement. Allez, 1, et je remonte. 2, et je remonte. Vous voyez que mon bras, il s'est relâché parce qu'il s'est redressé. Et là, je suis bien stable avec mes mains. Mes doigts indiquent cette direction, pas ici, pour éviter que s'ils tirent et s'ils poussent, ça parte dans tous les sens mes articulations, d'accord? Allez, 3, on remonte. 4, on remonte. Et vous voyez que mes genoux et mes pieds indiquent déjà la direction dans laquelle je pense aller. Allez, dernier, 5. Et je suis déjà orienté par là. Je ne pose pas trop ma jambe au sol au départ, pour éviter qu'il passe son genou par-dessus et qu'il s'échappe, ok? Donc, on fait ça de l'autre côté, je change ma main. Maintenant, j'ai ma main gauche au niveau de ses cervicales et j'ai mon bras enroulé. Allez, 1, et je reviens. 2, et je reviens. 3, et je reviens. 4, et je reviens. Vous voyez que ma tête est très collée ici. Je ne suis pas là, parce que là, je prends les frappes de son bras libre, plus de son bras, plus de sa tête. Je suis vraiment collé ici à son épaule pour éviter qu'il puisse me frapper avec beaucoup d'amplitude et de puissance. Et le dernier, 5, et je reviens. Maintenant, on passe à la phase numéro 2. Phase numéro 2. Il s'est redressé et là, je ne vais pas tourner. Je vais venir mettre un coup de bassin ici, d'accord? Donc, je mets un coup de bassin vers l'avant, d'accord? J'essaie de décoller son poids de corps parce que sinon, lui, il est comme ça. Et s'il est là, il est trop stable. Il faut essayer de le déséquilibrer par là pour avoir moins d'appui, d'accord? Position moi. Donc, ici, on va faire 1 et 2 et je reviens et je fais la même chose de l'autre côté, ok? Donc, on est bon? Allez, 1. Et coup de bassin, et je reviens. Et je change immédiatement mes contrôles. 2, d'accord, j'étais là. Et je reviens. 3, et je reviens. 4, et je reviens. 5, et je reviens. 6, et je reviens. 7. Ok, d'accord. Là, on passe directement à la dernière phase pour pas que ce soit trop tard. C'est le retournement. Le retournement, il y a plusieurs manières de le faire. Le pied au sol, le tibia, le long de son tibia. Ça dépend de la position de la personne, de son poids, de l'angle, de déséquilibre. Là, on ne va pas se compliquer la vie. Je vous conseille ça. Donc là, je fais 1. Et ici, je vais venir saisir vers l'extérieur. D'accord? Parce qu'il faut bloquer son bras pour éviter qu'il l'appuie. Et là, regardez bien. Je pose mon tibia et je viens retourner. Je reviens ici sans escalader les genoux au sol. D'accord? Là, l'image, c'est ça au niveau des mains. Je suis ici. Là, il s'est redressé. J'ai fait ça. Et là, regardez bien, je viens ici le retourner pour pouvoir stabiliser. Bras 45 degrés, etc. Je me colle bien pour pas qu'il morde. On va passer sur les détails, d'accord? Allez, on en fait 4 de chaque côté. 1. Allez, on a poussé, on pose tibia et on vient stabiliser et on revient. D'accord? Je fais l'autre côté pour que vous puissiez voir aussi depuis le dos. Allez, 2. Je suis monté, coup de bassin vers le haut. Je pose, je renverse, je stabilise. 3. Salut Christophe. 4. Je renverse. 5. Ok, ça marche. J'aimerais faire quelque chose de plus complet sur ça, mais on va arrêter pour aujourd'hui, d'accord? On va finir avec le cardio. On est bon sur tout ça? Ouais, ça a été. Vous pourrez revoir le live demain et le retravailler dans le vide. C'est un travail qui peut parfaitement se faire dans le vide, c'est pas comme d'autres choses où sans partenaire c'est compliqué, c'est quand même un travail important à travailler tout seul, ok? Allez, on va passer au cardio, on va pas aller se barrer le cardio, profite. Il demande de baisser le programme. Ok, cardio! Cardio, donc cardio, moi je vais y aller mollo, parce que j'ai fait ça hier comme un bourrin. Pas celui-ci, un autre qui était encore pire, et je me suis flingué les jambes. Je souffre. Donc, allez, on va faire méthode Tabata, d'accord? Donc on va faire un double. Si vous en faites un seul, ciao, bonne soirée Samira. Donc si vous en faites un seul, pas de problème, d'accord? Si vous êtes resté encore avec un peu plus d'envie, vous en allez faire un deuxième, on le fait, c'est 4 minutes, 3 minutes d'effort, 1 minute de repos sur un Tabata, en général,
C'est pas non plus la mer à voir. On est d'accord? Donc, on est prêt? Alors, je vous explique. Le premier Tabata, c'est tout simple. On a Blas Horizonte. Donc, ici, on va faire point rapide. D'accord? Ici. Putain, Gilles, tu te fous de ma gueule? Tu fais des cours de 2h30. Donc, ici, ça fait ça. D'accord? Point rapide. Ensuite, on va faire Jumping Jacks. Ici, en numéro 2. D'accord? En numéro 3, comme vous voulez, on fait des pompes courtes. Ici, on fait pompe, je passe jambe. Pompe, je passe jambe, pompe, je passe jambe, d'accord? Numéro 4, ici, c'est coup de pied direct. On peut céder la main quand on est fatigué. 1, bombe, 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 d'ici, ok? Ça, on fait ça deux tours. On est bon? On va mettre de la musique. Il est né? Alors, on va mettre de la musique pour le Tabata. Alors, on est bon? Vous entendez la musique? C'est fort rapide. Go, allez. Allez, vite, vite, vite. C'est bon, pas tout seul, hein. On récupère la respiration, on a fini.
Allez, on va se mettre à genoux. On va respirer profondément. Voilà, pleinement. Ok, on va prendre une inspiration de 4 secondes, d'accord? On va bloquer 4 secondes et on va relâcher en 4 secondes. Mais ok? Allez, on inspire doucement. Ok, pour ceux qui voulaient, on va s'étirer, je vais enlever mes chaussures. Pour les autres, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et exactement, Tabata Cash après la Julia Chanel. Donc, on va commencer l'étirement. Je vais prendre un tatami, moi. D'accord, si vous en avez, faites-le. ¿Cuál es poner lo de los estiramientos? Lo tengo abierto. Ah, c'est bon. Buvez un peu d'eau si vous voulez, hein. Tengo ahí una foto con ellos. Puesto. No, bueno, es una foto. Está en la carpeta. Allez. Allez, tout doucement, ramène les pieds aux fesses. Allez, on relâche doucement. Dos droit. Hasta luego, Chupi. Donc encore un grand merci à Gilles de faire ça. J'en profite pour féliciter une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas là. Tous les profs de la FEKM qui se démènent pour que leurs élèves puissent continuer de s'entraîner avec la situation de crise dans laquelle on est. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai dit. Nous, on donne nos cours online, si vous êtes intéressés. Kairos Krav Maga, c'est à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui. Plus structuré, d'accord? Allez, ici, bras, je vais chercher vers l'avant glissant sur les fesses et je respire profondément. Merci à tous ceux qui partaient. C'était un plaisir. Vraiment merci à Gilles pour son initiative. C'est vraiment top cette chaîne. Je suis vraiment content d'y avoir participé. Et on a vraiment de la chance d'avoir un mec comme lui. Allez ici. Si ça ne tient pas trop, vous voyez, moi ça ne tient pas au niveau de l'ombaire. Les mains plus proches et je viens à mi-chemin. Allez, bras allongés, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais ici, et là, sans décoller les épaules, je vais essayer de relâcher ma jambe en allant chercher ma main. Allez, je soulage la torsion au niveau des lombaires. J'en profite pour faire un bisou à tous mes potos de la Fédé. Il y en a beaucoup, donc je ne vais pas tous les nombrer, sinon je vais en oublier, et ça va m'énerver. Allez. On va faire la même chose dans l'autre sens. Allez, bras écartés. Je lève. Je laisse tomber. J'essaie de ne pas décoller mon bras du sol. Je respire profondément. Allez, je reviens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Plus tard, ce sera trop tard. Je suis content d'avoir vécu ce live avec vous. Allez, ici. Allez, je prends le meilleur rétroversion de mes épaules
Je souffle. Je rentre bien l'estomac. Allez, fesses au sol. Détirez-moi. Allez, ici, je pose mon pied à côté de mon genou, mes deux mains au sol. On a bientôt fini. Allez, je lève, tête en arrière, sans décoller les genoux du sol. Et je reviens, d'accord? J'inspire, je pousse avec mes épaules vers l'arrière, je lève mes fesses et je pousse. D'accord? Fesses en tension, estomac à l'intérieur. Et je pousse. Allez, je prends l'air, j'inspire mon estomac vers l'intérieur et je pousse. Allez, ici. Allez, jambes vers l'arrière, pieds plats, je pousse avec ma hanche vers l'avant, pointe du genou qui passe pas le talon. J'en profite, j'applaudis. Je ne peux pas sortir à la terrasse, mais il est 8h. Désolé, tradition oblige pour tous les gens qui se cassent le cul à bosser dehors et qui mettent leur vie en jeu pour qu'on puisse faire des Netflix et faire des vidéos live sur Facebook. Je reviens. Allez, la même chose, pardon, à côté. En arrière. Je pousse. Et je viens. Prends l'air. Je pousse vers l'avant. Allez, on fait un peu les bras pour finir. Ici, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos actuellement sur Facebook. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur Kairos Krav Maga, la page Facebook. On met des petits morceaux. Sur notre site web, on a les cours online. Et vous avez aussi Steve qui fait des vidéos, Gilles qui fait des vidéos pratiquement 4 fois ou 5 fois par semaine. Allez, on se tend un peu. J'aimerais faire un étirement un peu plus complet, mais on va. Patate à finir là, je répète, hein, j'ai pas ma ceinture parce qu'elle est à la salle et nous on n'a pas de dérogation pour pouvoir sortir dehors. Hein. C'est ou pour aller chercher à manger ou pour donner à manger à quelqu'un qui a un problème. Ok, allez, on tend, on revient. Ok. Eh bien, un grand, grand, grand merci tout d'abord pour cette expérience. C'était mon premier live. Donc, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir passé avec vous. Donc, pardon, attendez, il y a un petit problème là. Ah, j'avais corté. Ah, j'ai coupé. Ok. Désolé. Donc, je répète, je suis vraiment content d'avoir passé cette expérience avec vous. C'était mon premier live particulier, un peu beaucoup stressé, à vrai dire. Hein. Plus que pour faire des combats, des compètes ou donner des stages avec plus de monde encore, mais bon. Donc voilà, un grand grand merci de m'avoir accompagné, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vous les dis. Si c'est des trucs qu'on a vu en cours, pas de problème, vous pouvez me les poser. Hein. Vous me trouvez sur Facebook. Si c'est d'autres questions, posez-les à Gilles, il sera content de vous répondre dans les prochains lives. Grand merci, mon poteau Gilou, pour m'offrir cette occasion. Grand merci à tout le monde, d'accord. Et puis j'espère qu'on se verra bientôt. Ciao, ciao! Je vais arrêter ça, je ne sais pas comment ça s'arrête non plus. Allez, bisous! Bisous, Fatima!